C'est la raison pour laquelle il y a certains qui ont déjà fait des combats contre les autels. Ça marchait, mais ça a pu se replacer parce qu'il y avait une information de ce que tu devais bâtir là-dessus que tu n'as pas comprise. Alléluia. Donc, on va renverser, mais on va bâtir. On va renverser, mais on va bâtir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça veut dire que si tu renverses l'autel de la pauvreté, il faut bâtir l'autel de la richesse. S'il y a une voix qui attire le malheur dans ta vie, il faut une autre voix qui crie tous les jours, il est béni, il est béni, elle est bénie. C'est pourquoi on chante, je suis. Et je vais répéter tous les jours que tu es spécial, que tu es unique. C'est ce que tu dois croire. Parce que l'autel va te rappeler que tu es nul. L'autel va te dire que tu es méchant. L'autel va te dire que tu es mauvais. L'autel va créer des problèmes. C'est bien d'enlever cette voix qui t'amène à faire n'importe quoi. Mais il faut la remplacer par une autre voix qui dit ce que tu es, qui tu es, où tu vas. Tu as besoin d'entendre dans ton esprit que vraiment tu es un champion pour Dieu, que vraiment tu réaliseras de grandes choses. Il faut qu'on te le dise. Si tu entends tous les jours à longueur de journée, Satan te poursuit, le diable est contre toi, tout ce que tu entends est négatif, ça ne va pas te guérir. Ça va juste te permettre d'enlever le mal. Mais il faut créer le bien. Il faut qu'il y ait une autre voix qui te rappelle en toi qui tu es. La victoire que tu as acquise à la croix, ce que Jésus a fait dans ta vie, il faut que tu t'appropries. Il faut que ce ne soit pas une vérité ponctuelle. Il faut que ces vérités-là soient la forme d'un autel. Un autel qui parle et qui crie la victoire. Et qui crie. Tous les matins quand tu marches, ça crie. Tu vas gagner. Jésus avec toi. La victoire avec toi. Dieu dit ceci à Gédéon. Et Gédéon dit, je suis trop faible. Il dit, tu n'es pas faible. Va avec la force que tu as. Je suis avec toi. Il est important que tu saches tous les jours de ta vie que le Dieu qui a fait le ciel et la terre est avec toi. Et ça, tu dois bâtir un autel, quelque chose qui te rappelle qui tu es et où tu vas. Bref, on en parlera dimanche prochain. Alléluia. Il ne s'agit pas de faire la guerre contre les démons. Les démons peuvent partir, mais si la maison est vide et ornée, ils reviennent. Il dit les deux choses à Gédéon. Tu enlèves le mauvais autel, mais tu bâtis un autel à Dieu. Que cette guérison et cette délivrance que Dieu va opérer dans ta vie produisent la délivrance, mais aussi la construction d'une chose bénie par Dieu au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es fâché pour renverser? Parce que quand on renverse là, on crie. Hein? Ce n'est pas le cri de la voix, c'est une assurance interne. C'est quelque chose qui dit que ça suffit. Alors, j'étais en train de dire qu'il y a trois types d'autels. Le temps est passé, je vais te citer. Et puis, dimanche prochain, on va partir de là et puis les renverser au nom de Jésus. Et par la grâce de Dieu aussi, déclarer. Amen. Donc, l'affaire d'un hôtel, d'une hôtel, pardon. Non, c'est non. Un hôtel, je ne sais pas pourquoi d'une hôtel. D'un hôtel, c'est la voix. L'hôtel parle. Ok, gloire à Dieu. Alors, j'ai dit, il y a trois types d'hôtels qui attirent l'appauvrissement. Qui attirent l'appauvrissement. Les premiers qui sont les plus connus, ce sont les hôtels démoniaques. C'est-à-dire des démons. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ton histoire, ou dans l'histoire de ton papa, ou dans l'histoire de tes origines, qui appelle des démons. Qui les appelle dans ta vie. Ce type d'hôtel est aussi appelé des prisons démoniaques. C'est par rapport à cela que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour délivrer les captifs. Il y a des gens qui sont captifs. Ça veut dire que ce démon-là, il est appelé, ce sont des démons qui viennent et qui vont te faire faire n'importe quoi. Comment quelqu'un peut être appauvri par des démons? Il y a des personnes, par exemple, l'esprit qui les appauvrit, c'est l'alcool. L'alcool. Dès qu'ils ont un salaire, le démon-là arrive. Juste un petit coup. Le temps qu'ils comprennent. Le monsieur, il a 400 000 francs. Mais le même jour où il a eu son salaire, 150 000 francs sont partis en alcool. Il est conscient que ça détruit sa vie. Il est conscient que ça ne lui permet pas de mettre les enfants à l'école. Mais il est comme dans une prison. Le désir d'aller boire, d'aller être avec des amis. Et puis, c'était ce démon-là. Il est d'une générosité extraordinaire. Quand les gens arrivent comme ça, le gars n'a pas l'argent. Hein? Puis il est là, j'offre. Il offre la tournée. Il offre les tournées. Sa femme, la maison, il n'a pas encore payé le loyer. Donc, au baki, au bar, on l'appelle le vrai gars. Vous pensez qu'un tel homme n'est pas conscient que sa vie a un problème? Si, mais il ne fait pas exprès. Il y a comme un hôtel. Il est dans une prison.
Et il y a des démons qui l'amènent vers l'alcoolisme, vers des moyens pour dilapider les ressources que Dieu lui a données. Et il y a des démons qui vont attirer les gens vers le sexe. Le sexe est un puissant moyen de Satan pour appauvrir certaines personnes. Le péché du sexe. Je connais même des gens qui sont pasteurs. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont dans la prison. Et Dieu m'a fait comprendre ça. Il dit, tu vois, prie pour ton frère. Il faut qu'il sorte de la prison. C'est une prison sexuelle. Et la prison sexuelle va à l'art de voler votre argent, mais surtout voler la vigueur intérieure, la force intérieure. C'est une prison. Que Dieu t'en fasse sortir dans le nom de Jésus. Que Dieu t'en fasse sortir dans le nom de Jésus. Que Dieu te délivre de toute prison satanique dans le nom de Jésus. Tu sors de ces prisons sataniques-là au nom de Jésus. Dans certains, l'autel va plutôt appeler des démons de problèmes. Tout à l'heure, je parlais de ceux qui, dès qu'ils ont une entrée financière, plein de difficultés arrivent. Des accidents, des dépenses. Les dépenses arrivent en même temps. C'est comme si, quand ils n'ont pas l'argent, les dépenses ne sont pas là. Vous voyez, ça c'est vraiment Madian. On dit, dès qu'ils avaient un peu de récolte, Madian arrivait. L'autel l'appelle au moment où il faut. Et il y a comme l'autel qui est là, qui appelle le problème au moment où tu as un peu, dès que tu as un peu d'intérêt. Grand-mère, grand-père, ton frère, ta soeur, ton ami, et tu te retrouves à ce truc. Des frères, 1 million, 500 000, 2 millions, 2 millions. Et avec ça, il voulait construire une maison, il n'arrive pas à la finir. Parce qu'en finir sa maison, et puis répondre à l'urgence de sa maman qui doit aller à l'hôpital, qu'est-ce qu'il faut-il faire? Et c'est comme ça, chaque fois. Et après 1 an, 2 ans, 3 ans, la personne regarde sa vie, elle n'a pas bâti grand-chose. Elle n'a pas bâti grand-chose. Madian passe chaque fois qu'il y a une ressource. Mais je viens dans le nom de Jésus. L'autel qui appelle ces problèmes-là doit se taire pour toujours. Au nom de Jésus de Nazareth, tu vas avancer. Le voleur doit se taire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc les autels démoniaques appellent des problèmes. Ils appellent soit du péché qui t'approvisionne, ou ils appellent des problèmes. Ils appellent des problèmes qui arrivent en même temps qu'arrive l'approvisionnement, le travail, le salaire, la promotion. Donc en même temps qu'ils ont des promotions, en même temps ils ont des poches de pertes. Que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Tu dois traiter avec les autels démoniaques. Et comme je dis souvent, ce type d'autel trouve son origine dans la maison de ton père. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Deuxième type d'autel. Le deuxième type d'autel, on l'appelle souvent aussi des malédictions. Des malédictions. Regarde, Jérémie chapitre 20, 22, verset 29. Jérémie 22, 29. Il est dit, Jérémie 22, 29. Est-ce qu'on est ensemble? On lit ensemble. 1, 2, 3. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. On s'arrête là pour le moment. Regardez ça. Ici, c'est Dieu qui est en train de maudire une personne qui a été vraiment l'ennemi de la maison de Dieu. Et Dieu va utiliser un procédé. Je vais vous expliquer que l'ennemi procède aussi par la même chose. Il dit, Dieu parle au sol. Il dit à la terre, 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 terre. Faut écrire, faut inscrire sur la terre cet homme-là comme étant privé d'enfant. Il dit, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. C'est-à-dire, la pauvreté là, a été écrite sur la terre. Ça veut dire que tant qu'il est sur la terre, il ne peut pas avoir d'enfant et il ne pourra pas prospérer. Quelles que soient les affaires, il y a une voix qui a été inscrite. Il y a une lecture, quelque chose qu'on lit chaque fois. Quand la terre est là, elle dit, je vais te faire réussir. La terre lit, le monsieur tend sur cette terre doit rester dans la misère. Et la terre va veiller à ce que ce qui a été inscrit puisse se réaliser.
Alors là, ce n'est pas directement des démons, mais c'est une inscription sur la terre. Terre, écrit, inscrit que ce monsieur est privé d'enfant et que ce monsieur ne peut pas prospérer. Il y a des choses qui ont été inscrites dans la terre. Et quand je vais le traiter dimanche prochain, tu vas voir qui peut inscrire. Qui peut inscrire? Il y a des gens, on a inscrit. Mais il ne faut pas t'inquiéter. Je ne vais pas t'expliquer le problème. Je vais te dire comment on va traiter avec ça rapide. C'est une petite affaire. Alléluia. J'aime Jésus. Lorsqu'il rencontre cette femme adultère, je crois que c'est pour ça que Jésus s'est abaissé pour écrire. La Bible dit, Jésus a rencontré une femme que les gens accusaient. Et on dit que cette femme-là, on voulait la tuer. Et on pose la question à Jésus. Attends, on va lire le texte, c'est trop beau. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Jean 8. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé. Je t'assure, dimanche prochain, dès même cette semaine, Jésus va s'abaisser aussi. Alléluia. Donc, ils étaient en train d'accuser la dame. D'accuser, et ils voulaient accuser. Oh, on va la lapider. Elle mérite, elle a commis l'adultère. Voilà, voici. Mais la Bible dit, Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Jésus s'étant baissé. Je pense qu'il a dit, regardez sa fille là. Et puis il dit, non. La vie de cette dame là, la terre l'a scellée. Sa vie où elle doit se livrer aux hommes a été écrite. Et Jésus est parti en train de réécrire. La Bible dit, mais j'aime ça, regarde le texte. Alléluia, la parole de Dieu. Il disait cela pour l'éprouver. Mais Jésus s'étant baissé. C'est pour dire que Jésus s'est abaissé à cause de ce qu'il disait. Pourquoi la Bible mentionne cette attitude de Jésus? Les gens sont en train de dire, réponds Jésus, on fait quoi? On la tue, on la laisse. La Bible dit que Jésus n'a pas parlé. Quand ils ont commencé, Jésus s'est directement abaissé. Et puis il a commencé à écrire quelque chose au sol. Écrivait avec le doigt sur la terre. On continue. Comme il continua à l'interroger, Jésus se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et on continue, il a dit quoi? Et s'étant de nouveau baissé, il s'est mis à écrire. C'est-à-dire qu'il tenait à écrire. C'est-à-dire que, donc comme les gens l'ont harcelé, oh, il ne faut pas aller, il s'est levé. Il dit, bon, le premier qui n'a pas péché, qui lance la pierre. Et il s'est remis à écrire pendant qu'il réfléchissait. Je crois qu'il était en train de reprogrammer quelque chose. Il n'a pas écrit pour leur, parce que la réponse qu'il leur a donnée, c'était pour les calmer. La réponse qu'il leur a donnée, la Bible dit, il leur a dit, vous vous sentez digne de la lapider, lapidez là, allez, faites. Le premier qui n'a pas péché, qu'il fasse. Et la Bible dit, dès qu'il a fini cette phrase, il est reparti au sol. Et il a continué d'écrire, parce que le texte dit, comme il continuait de dire à Jésus. Donc il a fait une pause pour leur répondre. Parce que quand ils ont commencé là, Jésus ne s'est pas occupé d'eux. Il dit, le problème n'est pas ce que vous voyez. Il y a quelque chose qui est écrit contre cette femme. J'allais réécrire ça. Et Jésus s'est abaissé pour commencer à écrire. Mais les gens étaient sur son dos. Donc il s'est levé, il a dit, bon, qui n'a jamais péché, lance le premier la pierre. Et quand il a fini, il est reparti au sol. Et il dit à la femme, quand ils sont partis, d'où sont tes accusateurs? Moi aussi, je ne t'accuse plus. Je vais te dire qu'il y a dans le Christ la capacité, et Dieu va le faire pour toi, d'aller là où on a inscrit des choses négatives contre ta vie. Dieu réécrit cela. D'ailleurs, même Dieu a déjà même réécrit. Il faut que tu rentres en possession de l'écriture nouvelle que Jésus a déposée dans ta vie. Alléluia. 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 Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. J'ai dit, on renverse combien d'hôtels? Mais je ne vais pas te parler du troisième. Dimanche prochain. Le troisième hôtel. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Je te parlais donc de l'hôtel démoniaque qui est un acte, qui est quelque chose qui existe, qui appelle des démons, qui te font faire des choses que tu ne dois pas faire, qui te font t'investir, qui te font avoir des réactions. J'ai vu des personnes, quand il y a des gens, l'hôtel démoniaque, quand tout va bien dans leur maison, il y a un démon qui vient, il faut qu'il crée un palabre. C'est-à-dire que la veille, mon mari, c'est l'homme le plus doux de la terre. Mais le lendemain, elle va tout gâter. Il faut qu'elle fasse quelque chose pour le blesser. Il faut qu'elle fasse quelque chose pour le détruire. L'hôtel est en train de t'appauvrir. Il est en train de détruire jour après jour ton foyer. Il y a des personnes, c'est comme si tout ne peut pas bien aller. C'est-à-dire quand tout commence à aller,
Je sais pas quoi, il faut qu'il pose un acte pour tout gâter. Il faut qu'il gâte. Il faut qu'il gâte. C'est trop facile que ça marche. Il faut qu'il y ait des palabres. Il faut qu'il y ait des histoires. Donc leur vie est comme ça. Bonheur conjugal, tristesse conjugale. Bonheur conjugal, tristesse conjugale. Chaque fois que la maison commence à rire, à dire waouh, Jésus nous a visités, il y a des attitudes qui apparaissent pour tout casser. Et on repart à zéro. À un moment donné, on est blasé, on est débité, on ne sait plus quoi faire. Pourquoi c'est cyclique? Pourquoi ce problème-là, ces palabres-là? Bonheur, tristesse, bonheur. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui crie en fait. Il y a un hôtel. Il n'est peut-être pas dans ta vie, mais il est dans la maison de ton père. Il faut l'arracher. Il faut le renverser. Il faut que tu te déplaces spirituellement et que tu ailles. Mais ne te limite pas à le renverser. Il faut aussi que quand tu pars, avant d'aller renverser, que tu aies tes deux bœufs. Le premier pour renverser, le second pour faire l'autel de Dieu. C'est-à-dire pour bâtir l'autel de Dieu. Donc, on combat pas seulement. On combat, on arrache et puis on plante quelque chose d'autre. Il faut que tu plantes ce que tu dois planter. Il faut que cela soit dans ta vie au nom de Jésus. Le sang de Jésus a déjà effacé tout ce qui avait été écrit contre toi. Il faut que tu possèdes ton acte de délivrance et de restauration. Et que tu te tiennes devant le diable. Il est totalement illégitime. Tout, si tu as donné ta vie à Jésus, tout hôtel est illégal et illégitime dans ta vie. Tu peux t'arrêter avec assurance. Aucun démon ne peut venir te dire, ton papa nous a sacrifié cela, donc tu nous dois. Tu ne dois rien à aucun démon, à qui que ce soit. Dès l'instant où tu as dit, Jésus-Christ entre dans ma vie. Jésus est la première clé, la conversion à Christ pour vaincre les hôtels. Amen. Mais quand tu as vaincu, il ne faut pas penser que les démons ne vont pas revenir. Ils ne peuvent pas te posséder, mais ils vont venir essayer de t'intimider. Tu dois te tenir droit, les regarder en face et puis déclarer la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que les autels sataniques soient renversés dans ta vie. Quelle que soit la forme qu'ils prennent, nous les renversons par la puissance de Dieu. Nous les réduisons à néant par la puissance de Dieu. Tu vas te tenir debout avec moi. Tu ne vas pas attendre dimanche prochain pour commencer à les ravager. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Rinda baba so katara. Tu vas commencer à prier en langue si tu sais prier en langue. Tu vas prier en battant les mains. Et tu vas d'abord déclarer ton assurance et ta victoire contre ces œufs des ténèbres. Et tu vas commencer à leur rappeler la victoire de Jésus à la croix. A dit que toi tu connais Jésus, que Jésus t'a sauvé. Élève la voix, ne bats pas seulement les mains, mais prie. Parle, l'autel de la maison de ton père doit se taire. Ta vie doit avancer. Ta vie doit avancer. Ta vie doit avancer. Ta destinée doit se mettre en place. Les ressources doivent venir. On doit arrêter de voler ce que tu bâtis. On doit arrêter de ravager ce que Dieu t'a donné. C'est Dieu qui te donne. Personne ne doit ravager. Le voleur doit se taire. Le meurtrier doit partir. Rekatarianda brada sorobara la konda rababe. Shokatariba brada sorobara la glorianda babasa. Raide sorobara la glorianda babase. Shekatarianda brada sorobara la ko. Rokataribabe. Lokatayamada ramama. Shabakata rababrada sorobara la glorianda bra. Rabakatalimabo. Nous renversons les hôtels des ténèbres et nous bâtissons le verre de Dieu dans nos vies. Nous renversons les œufs de l'enfer. Nous renversons les voies sataniques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Garde les mains levées. Une première des choses par rapport à renverser, c'est vraiment agir sous l'onction. Je déclare sur ta vie que la puissance de Dieu pèse sur toi. Cette semaine, tu es oint d'une manière particulière. La première des choses, vous savez, la semaine dernière, je vous ai parlé de comment on interprète les songes et les visions. Restez debout. Là, comme vous pouvez me ramener l'image de la tour, je ne l'ai pas fait au culte précédent, mais je vais vous montrer la tour. Amen. La tour prophétique. Alors, la tour prophétique, ce n'est pas quelque chose que j'invente, c'est la Bible qui en parle. La Bible dit, par exemple, dans le livre d'Habacouc, le prophète dit, je me suis tenu sur la tour. Pour voir ce que Dieu me dirait. Ok? Amen. Je me suis tenu sur la tour pour voir ce que Dieu me dirait. Il y a quelque chose qu'on appelle la tour. Là, comme je vous ai donné ça, est-ce que vous m'affichez? Ok. Ok? Alléluia. Bon, ça, c'est un dessin que je fais pour imaginer ce que c'est. Alors, c'est une position intérieure spirituelle. Donc, vous allez voir plusieurs fois dans la parole de Dieu, les prophètes disent, il faut se tenir sur la tour. Donc, une tour... C'est généralement ce qu'on appelle une tour de garde, une tour de contrôle.
c'est la position des sentinelles. Donc les gens montent. Et puis avec la tour, tu vois loin. J'en ai parlé beaucoup en fin d'année en disant, Dieu, il faut que tu t'élèves pour voir loin. Donc quand vous regardez la tour, plus haut tu montes, plus loin tu vas. Tu vois, pardon. Mais, et dimanche dernier, je vous ai dit que Dieu est en train de vous appeler. Donc plusieurs, peut-être Dieu va vous parler par des songes, par des visions. Et comment il fallait traiter avec ça? Dormez avec de quoi écrire. Priez, faites les prières avant de dormir. Je vous ai montré le verset biblique à l'appui. Faites la prière avant de dormir. Notez tout ça. Dites-le à haute voix. Je vous ai dit ce qu'il fallait faire. Et puis après, ce qu'il fallait faire. Amen. Votre appel, c'est Dieu qui vous fait monter pour vous montrer votre futur. Donc, si tu regardes ma tour là, à droite, j'ai marqué événement futur. À gauche, j'ai marqué événement passé. Amen. Dans le monde spirituel, Dieu peut t'accorder deux grands groupes de révélations. Les futurs, c'est ce qui n'est pas encore arrivé pour dire, je ferai ça avec toi. Ok? Le passé, c'est ce qui a fait que tu es à un niveau aujourd'hui. Donc, les hôtels, ce sont des choses qui appartiennent à ton histoire, mais qui paralysent ta vie dans le présent. Donc, Dieu peut t'élever et te, au lieu de te donner une révélation de ce qui va arriver, c'est comme s'il te met sur la tour, mais par derrière. Et il ouvre tes yeux pour te dire, voici ce qu'il y a dans la maison de ton père. L'habitude, là, elle vient de là. Le problème, là, il vient de là. Ce n'est pas que tu es possédé, mais ça vient de là. C'est une voix que tu entends. C'est une voix qui revient. Si ton papa était avec un problème, les femmes, par exemple, cela va peut revenir. Si ton papa a toujours échoué à telle étape de sa vie, la même voix là peut revenir. Et puis quand toi tu commences à réussir, elle va te expliquer ce que ton papa a eu. Ok? C'est juste des voix qu'on entend. Ça veut dire que ça crée des pensées, ça nous donne des idées. Mais on n'est pas obligé de céder à ça. Donc cette semaine, pendant que vous avez l'onction, beaucoup d'entre vous vont recevoir des orientations par rapport au passé. Ça veut dire que tu vas vous élever, pas pour montrer le futur, pour vous montrer ce qui a pu se passer. Ok? N'ayez pas peur, c'est très simple. Une fois que tu as ça, c'est juste que ça sera beaucoup plus facile. Dimanche prochain, lorsqu'on va prier, ou bien en semaine, tu peux déjà commencer à prier, mais de savoir dire, je t'arrache. Et comme tu sais ce qui s'est passé, tu sais exactement ce que tu dois bâtir comme hôtel. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce qui, dans la Bible, doit faire l'objet de tes confessions? Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Mets la main sur la tête comme ça. Que Dieu te donne de voir ce que tu dois voir. Que Dieu te révèle ce que tu dois savoir. Que Dieu te révèle ce qui s'apprête à arracher dans ta vie. Que le Père te montre, le Saint-Esprit te montre, que la nuit qui te parle, qui te montre ce qui t'a combattu, et qu'il te montre aussi ta victoire, qu'il te montre ton futur, qu'il te montre ce qui t'arrête et qu'il te montre ce qu'il va faire, qu'il détruise ce qui t'a toujours arrêté, ce qui t'a toujours bloqué, qu'il renverse ces hôtels et que tu bâtisses les hôtels de ton futur, de ta victoire future. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un déclare un bon. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on a été bénis? Amen. Alors on va dire merci au Seigneur Jésus. Et on va dire merci au Seigneur Jésus, pardon, au travers de nos offrandes. La deuxième offrande vient recueillir nos dons pour la croisade d'évangélisation. Vient recueillir nos dons pour dire merci à Jésus pour la parole reçue. Vient aussi recueillir nos dons pour les travaux de construction. Donc si tu veux dire merci pour le message, c'est l'occasion. Si tu veux semer pour la campagne d'évangélisation, tu peux le faire ou aller à la fin au stand. Et si tu veux semer pour la construction, c'est le moment. Nous allons ensemble apporter à Dieu tout en suivant les good news. Apportons au Seigneur. Amen. Alors, le mois de juillet et d'août, nous allons être dans la dynamique, je dirais même dans le centre du thème de l'année qui est overflow en anglais ou débordement dans le français. Amen. C'est-à-dire le débordement de grâce. Alléluia. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8, l'apôtre Paul dit ceci inspiré par l'Esprit de Dieu que Dieu peut vous combler, dis avec moi combler. Dis avec moi je suis comblé. Amen. Quelqu'un qui est comblé, ça veut dire Dieu ne laisse aucun vide dans sa vie. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses
de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance. Amen. Pour toute bonne œuvre, que tu rentres dans cette dimension où tu es comblé de toutes sortes de grâces et de biens, et que par ta vie, des bonnes œuvres soient manifestées pour impacter des personnes. Alléluia. Ce texte-là est un des versets principaux de cette année. C'est-à-dire, quand nous parlons de débordement, c'est faire en sorte que Dieu te donne des provisions et qu'au-delà de ce qu'il t'a fourni, tu puisses aussi aider d'autres personnes. Que ta vie devienne une source de bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alors, quand nous parlons de bénédiction, nous avons appris depuis déjà plusieurs années qu'il y a plusieurs formes de bénédiction. Éphésiens 1:3, Dieu vous a béni, nous a béni de toutes sortes de bénédictions, parce qu'il y a diverses sortes de bénédictions. Et celle-là, dans l'ordre des bénédictions qui sont mentionnées en Deutéronome chapitre 28, c'est la troisième qui dit que ta corbeille et ta huche seront bénies. Une expression pour dire que ta maison ne manquera pas de quoi manger. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Dieu pourvoit tous tes besoins, tu ne manqueras de rien. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Mais il faut savoir ceci, c'est que Dieu te donne toujours afin que tu puisses donner. Dieu te comble afin que tu puisses combler d'autres personnes. La vie de Dieu est comme un fleuve, c'est comme une rivière. Elle vient vous arroser et elle doit vous dépasser pour continuer vers d'autres personnes. Si vous l'arrêtez à vous, si vous recevez sans donner, elle va s'arrêter. Certains chrétiens ne voient pas les bénédictions se manifester dans leur vie parce qu'ils ne les communiquent pas à d'autres, parce qu'ils reçoivent sans donner. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dieu te comble et fait de toi une source d'approvisionnement au nom de Jésus. Alors, dans les différentes bénédictions, toutes les bénédictions pardon, sont des sources. La première, elle dit, ton champ est béni, tu seras béni dans les champs et sur la terre. C'est ce qu'on a traité donc, avec les bénédictions territoriales. Quelqu'un qui devient une source de bénédiction territoriale, c'est une personne, quel que soit l'endroit où elle met les pieds, l'endroit est sanctifié, l'endroit est purifié. Alléluia. Et c'est une bénédiction importante parce que la Bible dit que ton bonheur dépend du bonheur de la ville, du territoire dans lequel tu te trouves. C'est pourquoi, avant de te donner même l'argent, les ressources, tu dois t'occuper du territoire. Il y a une faveur relative à l'endroit où tu habites, au quartier où tu es, à la ville où tu habites et le domaine dans lequel tu travailles. Il faut savoir cela. Alléluia. Si tu ne bénis pas ton domaine de travail, il te sera difficile. Même ta bénédiction maritale peut en souffrir, peut en pâtir. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'était la première source de bénédiction. La deuxième, il dit ceci, le fruit de tes entrailles, c'est celle que nous avons finie dans le mois de juin. Le fruit de ton sol, toutes ces choses-là vont donner leurs fruits. C'est-à-dire, ta vie devient productive. Ça nous a donné les deux boosts précédents. Ta vie porte son fruit. Que ta vie porte son fruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, si un des fruits de ta vie, c'est de devenir un évangéliste. Si un des fruits de ta vie, c'est de devenir un bâtisseur de bâtiments d'immeubles, un constructeur. C'est un des fruits de ta vie. Tu as besoin de la troisième qui est la provision. Une chose est d'avoir une vision, une autre est d'avoir les ressources pour amener cette vision-là à l'existence. La troisième bénédiction, la troisième source de bénédiction est relative à la provision. C'est-à-dire, Dieu te donne les ressources pour atteindre ce qu'il a mis en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Que ce message-là te donne ses ressources. Et on va travailler là-dessus pendant 2 mois. Est-ce qu'on est ensemble? Avoir, ne manquer de rien. Avoir les ressources de Dieu, avoir la provision de Dieu. Tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. Tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. Donne un bon amen pour bien recevoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce boost, le boost numéro 7 est sorti donc. Neutralise la malédiction de pauvreté. Devient une source d'approvisionnement divin. Il faut que tu l'aies. Tu dois le prendre tout à l'heure à la sortie si tu ne l'as pas encore. Ou qu'il a déjà. Voilà. Aujourd'hui, mon message que je vais parler, commence à partir du jour 7. Il s'étale sur d'autres jours, mais vous allez voir à partir du jour 7, c'est-à-dire d'aujourd'hui, le jour d'après, le 8 et le 9, je parle de ce point. Tu ne manqueras de rien. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Mais mon thème particulier d'aujourd'hui, c'est renverser les autels d'appauvrissement ou les autels de pauvreté.
Amen. Amen. On va renverser les œuvres sataniques qui font que ce que Dieu te promet semble ne pas s'accomplir dans ta vie. Alors, suis très bien et on va le faire en mode teach and pray comme d'habitude. Amen, amen, amen. Amen. Ce matin en particulier, on va parler de l'équipement pour renverser les hôtels d'appauvrissement. L'équipement, Dieu veut te donner des armes. Suis très bien, tu vas voir les armes. Et les armes dont je vais parler sont valables pour toutes sortes d'hôtels sataniques. Pas seulement ceux de pauvreté. Il y a des hôtels de stérilité, il y a des hôtels de, je ne sais pas ce que tu as, d'autres types d'hôtels. Il y a des hôtels de confusion, il y a des hôtels de blocage divers. Maintenant, il y en a d'autres qui ont pour rôle de te prendre la provision et les ressources que Dieu t'envoie. Quand Dieu t'envoie l'argent pour prendre en charge ton loyer, il peut avoir quelque chose qui va le combattre. Quand Dieu t'envoie la ressource pour financer tes projets de construction, quelque chose peut combattre ces ressources-là. C'est comme un hôtel qui vient attaquer ta troisième bénédiction, les provisions que Dieu t'envoie. Est-ce qu'on est ensemble? Nous voulons les renverser au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alors, avant d'aller plus loin, tu dois savoir une chose, c'est que si la Bible est vraie, est-ce que tu crois que la Bible est vraie? Si la Bible est vraie, c'est qu'un chrétien ne doit manquer de rien. Pourquoi la Bible c'est vrai? Pourquoi? Psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger. Et puis on dit quoi? Je ne manquerai de rien. Donc, il est clair dans la parole de Dieu que si Dieu dirige ta vie, tu ne dois manquer de rien. Alors, ça signifie quoi? Manquer de rien. Ça signifie que Dieu a pourvu à tous tes besoins. Philippiens chapitre 4, verset 19 nous dit, lisons ensemble, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Alléluia. Dieu pourvoit à tous tes besoins. Si Dieu est ton berger, tu ne manques de rien. Dieu pourvoit à tous tes besoins. Si Dieu est ton berger, tu ne manques de rien. Donc, si tu manques de quelque chose, soit Dieu n'est pas ton berger, soit il y a un autre problème. Dans l'enseignement du boost d'aujourd'hui, je t'explique qu'est-ce qui peut être le problème entre la bergerie et toi. C'est-à-dire quand Dieu dit « Je suis ton berger ». Amen. Le fait qu'il soit ton berger, ça détermine beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est de ça que je parle, dans le boost. Avoir Dieu pour berger, qu'est-ce que ça signifie? C'est la même chose dont il parle en Jean chapitre 10, verset 10. Ben, si tu dis l'Éternel mon berger, ça veut dire que toi tu es la brebis. C'est pas ça? Jean chapitre 10, verset 10, il dit quoi? Le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. Moi je suis venu afin que qui? Est-ce que c'est tout le monde? Ce sont ces brebis qui aient, faut qu'elles aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc il ne donne pas l'abondance à tout le monde, à ces brebis. Il dit l'Éternel est mon berger, ça veut dire moi je suis sa brebis, je ne manquerai de rien. Donc aujourd'hui, je t'explique dans le boost comment Dieu est ton berger. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler, ça je vais le traiter plus profondément plus tard. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais je veux te parler de ce qu'il dit juste avant de dire l'Éternel est mon berger. Donne-moi Jean 10, 10. Non, pardon. Donne-moi Jean 10, 10, pardon. Juste avant de dire, il va pouvoir dans l'abondance. Écris, affiche Jean 10, 10. Je t'ai dit Jean 10, 10. Jean 10, 10. Pas, merci. Amen. On dit ensemble, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la. Amen. Le voleur ne vient que pour. Donc, ce que Dieu te donne en tant que brebis, il y a un ennemi à cela qu'on appelle le voleur. Et je vais t'illustrer cela. Amen. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Pasteur Maxime. Et je dis, Pasteur Maxime, Pasteur Thierry, viens. Toi, tu es qui? Celui qui demande, le bon. Le bon, je suis le bon. Tu es le bon. Voilà, mets-toi en face. J'ai besoin de quelqu'un qui va jouer le rôle du diable. Pasteur Hervé Ametti. Tu es costaud, hein? Voilà. Ok.
Alors, venez par ici. Un micro. Alléluia. Amen. Alors, ce que je vais t'expliquer, c'est pourquoi certains chrétiens qui ont Jésus pour berger manquent de certaines choses. Lorsqu'on parle du manque dans la parole de Dieu, il ne s'agit pas seulement du manque financier et matériel. Il s'agit d'au moins quatre niveaux de provision. La provision de Dieu se trouve à au moins quatre niveaux. Premier level de la provision de Dieu, Dieu pourvoit aux besoins de ton esprit. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme est un esprit et ton esprit a besoin de se nourrir. Quand Dieu dit tu ne manqueras de rien, ça veut dire ton esprit sera approvisionné. Et un esprit qui est nourri, qui ne manque de rien, c'est quelqu'un qui a une vision forte. C'est quelqu'un qui a des rêves qui demeurent. La nourriture de l'esprit, c'est le rêve. La nourriture de l'esprit, c'est de faire la volonté de Dieu. Quand tu es en train de marcher dans la volonté de Dieu, ton esprit est très fort. Que Dieu nourrisse ton esprit. Que Dieu nourrisse ton esprit. Que Dieu nourrisse ton esprit. Amen. Donc la vision, l'espérance, le rêve, marcher dans la volonté, ça c'est de l'âme, c'est de la nourriture. La parole de Dieu, c'est la nourriture de l'esprit. Et c'est très important. Amen. Dieu pourvoit ça, tu ne manqueras de rien à ce niveau. Deuxième partie, la nourriture de l'âme. L'âme se nourrit, comme je l'ai expliqué souvent, de la charge affective attachée aux gestes et aux paroles. L'âme mange l'affection, le respect. Une personne qui est méprisée a une âme, une personne qui vit dans le mépris a une âme pauvre. Une personne qui est tout le temps triste a une âme pauvre. Son âme manque de beaucoup de choses. Quand Dieu dit que tu ne manqueras de rien, ça veut dire même ton âme sera en paix, ton âme sera en joie. Si malgré ta richesse, tu as une âme troublée, Dieu dit que tu es pauvre. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le Seigneur décrit l'église de Laodicée. Il dit de cette église qu'elle avait beaucoup d'argent. Mais il dit à cette église de Laodicée, tu dis que tu es riche, mais moi, Dieu, je dis que tu es pauvre. Voilà, c'est là. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc, malgré qu'ils avaient l'opulence matérielle, Dieu disait qu'ils étaient pauvres. Oui, et c'est une réalité. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui, malgré les biens financiers acquis par leurs parents ou tout ça, étaient émotionnellement pauvres. Ça se battait à la maison, ça se déchirait. Je suis régulièrement en train de régler des conflits où les enfants des héritiers très riches sont prêts à se tuer. Quelle pauvreté de l'âme. Et leurs cœurs sont remplis de haine. Quelle pauvreté de l'âme. La pauvreté de l'âme finit toujours par affecter votre richesse matérielle. La richesse matérielle n'est pas tout. Combien de gens avec tout l'argent mettent fin à leur jour, vivent dans la dépression? Combien de riches prennent des antidépresseurs? Quand on nous parle d'un homme qui avait autant d'argent que Michael Jackson, mais qui était obligé de prendre des choses pour pouvoir dormir, quelle pauvreté! Quelle pauvreté! Toi qui passes une nuit, puis tu dors, puis tu ronfles, puis tu es content là. Tu étais plus riche que Michael Jackson. Parce que selon les témoignages, peut-être que c'était fou. Mais pour dormir, il fallait qu'ils prennent des médicaments. Pour dormir, il n'avait pas la paix. Il n'avait pas la paix. Il avait l'argent. Il pouvait prendre tous les avions qu'il voulait. Combien de gens peuvent aller dans les pays où ils veulent? Mais la nuit, la femme est dans sa maison, elle pleure jusqu'au matin. Quelle pauvreté! Si Dieu est ton berger, tu ne manqueras pas de ça. Tu n'es pas riche. Quand Dieu dit, tu ne manqueras de rien. Il connaît tes besoins, puis il est comble. Je déclare sur ta vie, tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien, tu ne manqueras de rien. Donc quand la Bible dit que Satan vient te voler, ne crois pas que c'est l'argent seulement. Ça peut être ce qui enrichit ton âme qu'il peut prendre. La source de ta paix et de ta joie, il peut te les arracher et te laisser ton argent. Parce que ton argent, de toute façon, il sait que tu ne vas pas aller loin avec ça. Si tu as 65 ans de vie, ça va rester ici. Il s'en fout, il faut acheter les immeubles que tu veux, payer les billets, mais ça va rester sur la terre.
L'argent là ne meurt pas avec toi. L'argent ne meurt pas avec toi. Donc si je veux te donner ça pendant 50 ans, prends ça. Mais ton âme est éternelle. Quand tu vas finir, je suis désolé. Tes billets de banque ne vont pas te suivre. Tes maisons ne te suivront pas. On ne va pas t'enterrer avec ta jolie maison. On ne va pas t'enterrer avec ta voiture. Tu as acheté un meur. On ne va pas t'enterrer avec un meur. Et même si on t'enterrait à un meur, tu n'as pas conduit ça au ciel. Amen. Alléluia. Oh, tu vas mourir un jour. Tu vas mourir. Avec quel argent ton âme va aller? Avec quelle richesse? Arrête d'être aveuglé par les richesses passagères de ce monde. Tu n'es pas le premier qui était, ce ne sera pas le dernier. Tu vas partir toi aussi. Tu partiras. Il faut bien réfléchir à ce que tu fais. Il y a beaucoup de choses, tu passes ton temps là-dessus, mais ça ne va pas te suivre. Tu es sûr que c'est un bon investissement? De mettre tout ton cœur, tout ton argent, de sacrifier ton bonheur de la maison pour simplement partir avec l'argent. La joie, là, ce n'est pas une chose qui est physique. C'est quelque chose que tu sens dans ton cœur. Et ça, quand tu meurs, ça s'en va avec toi. Amen. Ok? Tout ce qui est lié au corps, que tu peux toucher, reste ici. Mais ce qui n'est pas palpable, ce qui est dans ton âme, part avec toi. Est-ce que tu es riche à ce niveau? Ne sois pas aveuglé par les richesses temporaires de la terre. Tu vas partir. C'est-à-dire que c'est une évidence, tu vas mourir. Tu vois? C'est-à-dire que on viendra, on ne va pas mourir. Non, est-ce que tu sais que tu vas mourir? C'est-à-dire, vous tous qui avez des biens là, observe les biens, dit un jour je vais les laisser. Voilà. Je vais les laisser. Tu as passé toute ta vie à te battre pour ça. Tu vas laisser ça pour partir. Quelle richesse tu as donné à ta maison? Que seront tes enfants après ça? Quel héritage tu vas laisser sur la terre? Deux, quand tu meurs, quand tu vas au ciel, est-ce que ça va partir à toi? Soyez riche dans l'âme. Soyez riche. Tu ne manqueras de rien. Mais Dieu aussi ne néglige pas le corps physique. Quand Dieu dit tu ne manqueras de rien, il pourvoit aussi physiquement. La provision physique, c'est la santé. Et puis il y a la provision matérielle, quatrième chose. Amen. Dieu pourvoit matériellement. Que toutes ces choses-là te soient pourvues au nom de Jésus. Amen. Alors quand Dieu dit tu ne manqueras de rien, c'est clair. C'est qu'un chrétien ne doit manquer de rien. Si un chrétien manque, est pauvre émotionnellement, il y a un problème. Si un chrétien est pauvre matériellement, il y a un problème. Si un chrétien est pauvre physiquement, il y a un problème. S'il est pauvre spirituellement, il y a un problème. Amen. Parce que Jésus a dit rien. Mets-toi vers ici, voilà, ok. Maintenant, dans tout ce qui est dit là, toi tu veux quoi? Prie Dieu. Tu veux quoi? Fais une prière dans le micro. Seigneur. Seigneur. Oui. Je veux être riche intérieurement. Amen. Spirituellement, toi, physiquement, spirituel. Matériellement. Bon, allons sur là, matériellement là, tu veux combien? Tu veux combien? Parce que Maxime, le matin, on lui a demandé, il a demandé parce qu'il a des projets. Il a des projets dont l'évaluation coûte à peu près, il a besoin quoi? 3 millions, mais 5 milliards. Il cherche 5 milliards. Voilà, donc profitez, là où la longue sur moi pour vous. Toi, tu veux quoi? Tu veux combien de... Tu veux quoi? Pour cette année, 1,5 milliard. 1,5 milliard. Amen. Amen. Alléluia. Mm-hmm. Alors, la Bible dit, mon Dieu pourvoira à tout ce dont j'ai besoin. La bénédiction de mes tours n'est pas la bénédiction d'abord de la prospérité. C'est juste, j'ai besoin. Maintenant, le montant du besoin peut être très élevé pour certains. Et, par exemple, quelqu'un qui va faire une opération, une grosse opération immobilière, le besoin peut s'évaluer en milliards. Mais c'est pas parce que c'est pas ce qui va le rendre prospère. Je ne sais pas si vous comprenez. La troisième vient combler le besoin. Mais pour certains, leur besoin, c'est la richesse d'autres. Okay? Donc il a besoin de 1,5 milliard. Ok. Pour cette année. Pour les projets de cette année. Et Dieu dit, si tu me suis, tu ne manqueras de rien. Donc, selon sa parole, Dieu envoie toujours une bénédiction. Maintenant, ta main peut être bloquée. Ok? Si sa main est bloquée, voilà ce que ça va faire. Mon fils, tiens tes 1,5 milliard. D'ailleurs, même Dieu donne pas. Parce qu'il dit, il va pouvoir selon sa richesse. Je multiplie par 2. Si tu veux 1,5 milliard, ça va quoi? Tiens 3 milliards.
Tiens, 3 milliards. Est-ce que Dieu a donné? Est-ce qu'il a reçu? Est-ce qu'il a les 3 milliards? Il n'a pas les 3 milliards, pas parce que Dieu n'a pas donné, parce qu'il n'a pas reçu. Dans la parole de Dieu, la réception est très importante. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des problèmes, pas parce que Dieu n'a pas donné. Si vous êtes chrétien né de nouveau et que Dieu est votre berger, c'est qu'il vous a déjà donné. C'est sûr qu'il a donné, mais c'est vous qui n'avez pas reçu. Est-ce qu'on est ensemble? Si ton besoin affectif, c'est qu'aujourd'hui tu sois marié, et Dieu sait que c'est ton besoin, il dit, tu es sa brebis, tu ne manqueras de rien. Ça veut dire qu'il t'a déjà donné le mari. Mais que tu ne l'as pas saisi. Saisis ton mari au nom de Jésus. Amen. Il y a certaines fois, vous... Il y en a qui n'ont pas réagi quand on a dit 3 milliards. Mais quand on dit mariage, c'est ça son besoin. Amen. Vous savez, souvent on dit, papa, je t'ai demandé, tu ne m'as pas donné. Je t'ai demandé, mais tu ne m'as pas donné. Non. Il t'a donné, tu n'as pas reçu. Tu n'as pas reçu. Tu dois recevoir. Parce que Dieu dit, je pourvois à tous tes besoins selon ma richesse. Ça veut dire que de son côté, il a fait sa part. Mais on peut ne pas recevoir. Jacques chapitre 1, verset 6 dit, si quelqu'un demande la sagesse, qu'il croit qu'il va la... Jacques 1, 6 dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable à un flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Et regardez ça. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il a... Ça ne veut pas dire que Dieu donnera. Dieu a déjà donné. Mais qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra. Ici, ce n'est pas question du don. C'est question de réception. Dieu a pourvu au salut de l'humanité en donnant son Fils unique, Jésus-Christ. Jean 1, 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Une affaire de réception. Amen. Donc, Dieu a pourvu au salut. Mais certains ont reçu, d'autres n'ont pas reçu. Donc, très souvent, la provision a été donnée. Mais la difficulté se trouve au niveau de la réception et non au niveau de la provision. Nous nous plaignons souvent à Dieu au lieu de nous attaquer au problème de réceptivité, de réception. Dis avec moi, je reçois. Je reçois. Je reçois. Alléluia. Alors, le plus souvent, nous manquons de choses, pas parce que Dieu n'a pas pourvu, mais parce qu'on n'a pas reçu. Je crois que si tu focalises ton attention sur ton problème de réception, ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. La question, est-ce que Dieu t'a exaucé? Oui, Dieu t'a exaucé. Il y en a qui ont pris en début d'année, ils ont eu la conviction qu'ils allaient se marier, ils ont eu la conviction qu'ils allaient avoir ce boulot, ils ont eu la conviction qu'ils allaient t'élever. Quand tu as la conviction, c'est qu'il l'a fait. Mais as-tu reçu? As-tu reçu? C'est comme, Pasteur Thierry, j'ai donné. Il n'a pas reçu. Amen. Maintenant, il se peut qu'il soit prêt à recevoir. Et là, c'est là qu'interviennent les autels sataniques. Amen. Alors, lui, il joue le rôle du diable. Tu es sanctifié au nom de Jésus, tu n'es pas diable. Mais, tu le rôle. Quand j'étais plus jeune, à l'église, je disais toujours à mon pasteur, je peux jouer tous les rôles, sauf diable. Amen. Mais ce n'est pas grave, on en a besoin quand même. Alléluia. Alors, il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Je vais leur donner la vie, je vais leur donner l'abondance. Mais le voleur vient pour voler. Ça veut dire que Satan s'oppose. Alors, pendant que j'ai dit, tiens, maman, toi, tu vois, quand il reçoit, tu attaques sa main. Tu vois, c'est ça. Tiens les 3 milliards. Tiens. Amen. Et même quelquefois, Dieu vous donne. C'est-à-dire que vous voyez que l'argent arrivé, tiens les 3 milliards. Tiens. Et toi, enlève ta main ici. Tiens les 3. Un diable costaud. Ok, gloire. Ok. Amen. Non. Le voleur vient pour dérober et quelquefois détruire, casser le bras. Le voleur là, il vient pour égorger. C'est-à-dire, il peut te tuer même. Égorger, détruire, casser ton bras. Pour empêcher la réception. Ok. Amen.
Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Le bras de réception des choses que Dieu envoie, c'est ce qu'on appelle votre foi. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est pourquoi Jacques dit ceci. Si vous avez demandé à Dieu la sagesse, il va vous l'envoyer. Mais si vous ne manifestez pas la foi, vous n'allez pas réceptionner. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il y a une autre manière dont il peut faire. Si tu as prié, tu as la foi même, et puis tu saisis, tiens les 3 milliards que tu as pris, il peut adopter une autre séduction. Vous voyez, dans la parabole du semeur, on dit un semeur est parti semer. Quand il a jeté la première graine, les oiseaux qui représentent le diable et les démons sont venus arracher. Ça, c'est ce qu'il a fait. Il a arraché. Mais la troisième semence, il dit ceci, les séductions des richesses. Alors là, il a reçu. Le diable va lui parler doucement, il va le séduire. Il va lui parler, il va le blaguer. Et puis, lui-même, attends, il va te donner. Lui-même, toi-même, tu es là, lui-même, il te remet. Il peut lui remettre les 3 milliards. Ça, c'est la phase de séduction. Donc, vous avez l'attaque qui vient enlever ce que Dieu vous envoie, l'attaque qui vient envoyer le mariage que Dieu vous envoie, le bonheur que Dieu vous envoie, la richesse matérielle que Dieu vous envoie, la santé physique, l'attaque peut faire cela. L'attaque peut venir à s'attaquer sous forme de séduction. On vient te parler, on t'explique des choses. Et vous avez vu, ça va se manifester dans la vie de certaines personnes par de mauvais investissements, par de mauvais placements. Ok? Ils reçoivent quelque chose, tu dis, bon, voici ce avec quoi tu as commencé le projet. Donc, quand ça arrive, en même temps, quelqu'un veut t'expliquer un truc, tu vois, on a ceci à faire là-bas. Ça peut, les séductions, là, ça peut venir sous forme d'un problème au village. Dès que tu as reçu 500 000 francs, il y a ton frère, il est malade. Si tu n'as pas donné l'argent, il va mourir. Et tu te sens coupable. Tu te sens coupable. Si je ne l'ai pas aidé, si je ne l'ai pas aidé. Oh, ce n'était pas l'argent qui allait l'aider. Ça fait autre chose. Pierre et Jean ont dit au paralytique qu'il leur a demandé l'argent. Il dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Certaines fois, répondre aux besoins de votre prochain n'est pas de lui donner l'argent. Ça peut être juste faire une déclaration de foi sur sa vie. Amen. Mais quand vous êtes séduit, vous pensez que c'est une affaire d'argent. Or, l'argent que Dieu ne t'a pas demandé de donner et que tu as donné, frère, Dieu ne va pas renouveler. Parce que tu penses que tu es en train de faire du bien. Mais Dieu t'a dit, mais moi je t'ai envoyé cette somme-là pour que tu commences ton commerce. Toi, tu as pris cette somme, tu as été séduit pour aller aider ta voisine qui t'a dit qu'elle a un problème et que dans 4 jours, elle va t'amener l'argent. 4 jours, ça fait 4 mois, 4 ans, 4 jours n'est jamais arrivé. Et tu as remarqué que depuis lors, tu n'as jamais pu avoir les ressources pour commencer le projet. Le jour où tu avais demandé à Dieu, « Papa, je veux commencer un commerce. » Dieu avait pourvu. Mais tu as été séduit. Séduit par un faux problème qui t'a été présenté. Séduit par un investissement. Comme il y avait les histoires de placement d'argent où des gens partaient placer. Ils ont placé. On te dit, « Non, tu mets 1 million, ça donne 2 millions. Tu mets 2 millions, ça donne 4 millions. » Et des gens ont été entraînés. Et l'argent que Dieu leur avait donné, ils ont mis dans ce type de placement. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es délivré de toutes ces attaques de l'ennemi au nom de Jésus. Alléluia. Voici un peu les différents types de plans de façon d'attaquer du diable. Merci pour vous asseoir. Alors, acclame Jésus. Oh. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Alors, l'attaque que le frère jouait comme attaque du diable, si vous voyez que ce type de problème qui vient faire que vous, votre provision, quand je dis provision, voyez vraiment large. Seigneur, je veux la paix dans ma maison et tu ne l'as pas. Dieu, tu peux pas demander quelque chose qui est indispensable, il ne peut pas te donner. C'est qu'il t'a envoyé et puis tu n'as pas reçu. Soit quelque chose t'a fait perdre ce que Dieu t'a envoyé. C'est-à-dire, il t'a envoyé et puis tu es parti passer ton temps ailleurs. Tu es parti investir et ça a recréé des troubles dans votre couple. Donc, il faut chercher à te focaliser. Qu'est-ce qui fait ça? Alors, si ce problème-là est récurrent, c'est-à-dire, chaque fois que tu as des acquis, tu sens que Dieu te donne, des événements surviennent régulièrement pour te faire perdre la provision, les ressources que Dieu t'a envoyées,
Alors il faut t'arrêter. Il est fort probable que les esprits de séduction ou les attaques soient appelés et commandités par un hôtel. A-U-T-E-L. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ce soit commandité par un hôtel. Alors c'est quoi l'hôtel? Et aujourd'hui, on va être équipé pour le renverser. Pourquoi je parle ainsi? Pour que tu comprennes le rôle de l'équipement pour renverser les hôtels d'appauvrissement. Amen. Alors pourquoi? Il faut savoir que le bras qui tient le miracle de Dieu, ça s'appelle la foi. Dis avec moi la foi. La foi. Et la foi a une origine. C'est Jésus-Christ lui-même. La foi, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Notez toujours que la foi est créée par ce qui entre dans tes oreilles. La foi vient de ce qu'on entend, mais de ce qu'on entend, une parole très particulière, la parole de Christ. Hébreux chapitre 12, verset 2. C'est beaucoup plus visible dans la version second 21. La Bible dit à ce niveau, ça c'est la version Louis second, ayant les regards sur Jésus. Dans la seconde 21, il est dit, faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi. Et c'est, vous évitez de vous concentrer pour avoir la foi. Jésus lui-même fait naître la foi, que la foi naisse. Mais ça, je vais traiter ça dans un autre épisode. Alléluia. Jésus fait naître la foi et c'est lui... Je suis sur la version second 21. Amen. Qui fait naître la foi et la mène à la perfection. C'est que comment? Souvent on est là, oh Dieu, vraiment je n'ai pas la foi. Non, c'est le travail de Jésus de faire naître la foi et de la mener à ce qu'elle devienne parfaite. La foi progresse. Quand Jésus dit à Pierre, Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne sur l'eau. La foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, verset 17. Quand Jésus dit ça, quand Pierre dit, fais sa demande, Jésus lui dit, viens. C'est cette parole vienne qui a créé la foi dans Pierre. Sur la parole de Christ, il a commencé à marcher. Mais Pierre n'a pas atteint Jésus. Pourquoi? Parce que sur le chemin, il a entendu une autre voix. Il a douté. Le doute, la peur, l'incrédulité vient aussi de ce que vous entendez. Mais de ce que vous entendez, les paroles du diable. La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Christ. La peur, le doute, tout ce qui combat votre provision vient aussi d'une chose qui est rentrée dans vos oreilles. Amen. Et quand je parle d'oreilles spirituelles, d'oreilles physiques, parce qu'il y a des sons que ton esprit entend que tes oreilles physiques n'ont pas entendu. Il y a des sons que ton âme entend, que ton esprit, que ta chair n'a pas entendu. Que tes oreilles spirituelles soient ouvertes pour entendre le son de la voix de Dieu. Au nom de Jésus, donne un bon amen. Donne un bon amen. Alléluia. Alors, quand Dieu t'envoie la ressource santé, une voix peut venir dire dans ton esprit, la maladie là, ce bouton là, c'est un cancer. Ça va te tuer, ça va te tuer, ça va te tuer. La voix là est une voix qui vient s'attaquer à ta foi. Il y a des voix comme ça, différentes voix. Les voix contraires à celles de Dieu sont données par des hôtels quand elles sont régulières, quand elles sont fréquentes. Apocalypse chapitre 16, verset 7. Lisons ensemble, 1, 2, 3. Lis avec vigueur, 1, 2, 3. Et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et... Qui parlait ici? Répondez, qui parlait? Qui parlait? Donc les autels ont des voix. J'entendis l'autel qui disait, ce n'est pas un ange, c'est l'autel qui est en train de dire quelque chose. Un autel dit. Donc il y a des autels qui chantent la gloire de Dieu. Dieu est grand, le Seigneur est au-dessus de tout. Il y en a d'autres qui chantent, tu vas échouer, tu es né pour échouer. Il y en a d'autres qui chantent, fais ceci. Il y en a d'autres qui chantent, tu es malade, tu seras malade, tu seras malade. Toi, tu ne vas pas vivre longtemps, tu ne vas pas vivre longtemps. Il y a des hôtels qui... Donc, il y a des voix. Est-ce qu'on est ensemble?
Aujourd'hui, tu vas faire taire les autels qui créent en toi le doute, les voix qui créent en toi la peur, les voix qui créent en toi la maladie. Dieu a pourvu à la santé, tu ne seras pas malade, tu seras bien portant. Je vois la santé abonder en toi. Dieu a pourvu à ta paix. Tu ne vas pas entendre la voix qui crie, il y aura pas l'âme, il y aura division, il y aura des problèmes. Dans ta famille, personne n'a reçu son mariage. Il y a une voix qui crie comme ça. Dans ta famille, personne n'a reçu son mariage. Toi aussi, tu ne vas pas t'en sortir. Toi aussi, tu ne vas pas t'en sortir. Ta maman a divorcé. Toi, c'est quelle voix ça? C'est un hôtel qui parle. Tu vas le faire taire au nom de Jésus. Tu vas le faire taire au nom de Jésus. Parce que cet hôtel, quand Dieu dit, je te donnerai un mariage béni, pendant que tu es en train de marcher vers le mariage béni, la voix de l'hôtel parle. Pendant que tu marches pour prendre la provision de la santé, la voix de l'autel satanique parle. Pendant que tu marches pour prendre une promesse de Dieu, la voix de l'autel satanique parle. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, nous allons mettre fin aux voix des ténèbres. Il en est ainsi au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un donnez-moi amen. Quelqu'un donnez-moi amen. Tu vas t'élever avec moi et tu vas dire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je saisis les promesses que Dieu m'envoie et je renverse les autels qui combattent. Allez, parle, parle, parle avec assurance et autorité. Au nom de Jésus. Alléluia. Apocalypse chapitre 4 verset 5. Là c'est le trône de Dieu encore. Mais le trône est un autel. Il dit du trône sortent des éclairs. Ça veut dire des lumières, des voix et des tonnerres. Le tonnerre c'est de la puissance. Donc d'un autel, il y a soit la lumière qui sort. Quand c'est la lumière de Dieu, les éclairs de Dieu. Quand c'est les ténèbres, un autel t'envoie les ténèbres et la confusion. Il envoie des voix qui t'aveuglent. Un autel satanique envoie des voix. Donc du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Le tonnerre c'est la puissance. Un autel d'appauvrissement envoie de la lourdeur, de la paresse. Un autel d'appauvrissement, au lieu d'envoyer des éclairs ou de la lumière, t'envoie la... C'est-à-dire qu'il y a une voix, c'est-à-dire que tu es embrouillé même dans le dossier. Tu fais des mauvais choix, tu prends des mauvaises décisions. Il faut faire taire les autels. Je suis venu afin que mes brebis ne manquent de rien. Pourquoi toi, tu as une brebis, tu manques de quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Il se peut qu'il y ait braquage ou séduction. Mais peu importe, il y a des voix, des idées. Quand votre esprit entend, ça arrive en lui sous forme d'idées. C'est-à-dire, vous êtes là, votre esprit a des oreilles. L'oreille de l'esprit, ce sont des... Vous entendez, vous avez des idées, vous pensez que ça vient de vous. L'apôtre Pierre était comme ça, il dit à Christ, tu es le fils de Dieu. Jésus lui informe que ce que tu dis là, c'est mon Père qui te l'a dit. Pierre n'a pas entendu ça audiblement. Aucune personne qui était dans la salle n'a entendu Dieu dire, Pierre, je t'ai révélé qui est Jésus. Il a entendu ça dans son esprit. Donc, il y a des choses que vous entendez dans votre esprit qui viennent des ténèbres, qui viennent créer la confusion. Et c'est ça qu'on renverse maintenant. Lorsque cette voix-là arrive tout le temps, des voix qui créent la peur.
quand Pierre était en train de marcher sur les eaux, qu'est-ce qu'il a entendu? La Bible dit, voyant que le vent était fort. Vous ne pouvez pas, vous trouvez être, hein? Moi, je crois qu'on aurait dû dire, voyant que la mer était agitée. Ce n'est pas la mer, c'est le vent. C'est le vent qui a créé en lui la peur et non la mer agitée. C'est le vent. Mais quand on parle du vent, on parle de l'air. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 que Satan est le prince de la puissance de l'air. L'air même qu'on respire, l'air est pollué. Pollué par des ténèbres, pollué. Les pensées, c'est-à-dire que tu es là comme ça, puis il y a des pensées de peur, de doute, d'angoisse, de tristesse. Il y a une puissance dans l'air. Pierre était en train de marcher, s'appuyant sur la parole de Jésus. Et comme tout à l'heure dans notre illustration, le diable est venu dans l'air. Et Pierre a entendu la voix du vent, la voix de l'air, qui a créé en lui la peur, qui a créé en lui le doute. Il y en a quand la voix du vent arrive, ça crée la confusion. C'est-à-dire que tu te réveilles un matin, tu as envoyé la paix dans ton foyer, et puis tu te réveilles, il y a une voix. Ta femme t'énerve. Ton mari même, il t'énerve un coup. Tu ne sais pas d'où ça vient. C'est l'air. Il y a une puissance dans l'air. Les hôtels envoient des puissances. Quand une puissance, c'est-à-dire qu'il y a une force qui te fait faire ce que tu ne peux pas faire. Ta main veut aller devant. Puis il y a quelque chose qui vient. On dit une puissance. Satan est le prince de la puissance. Ça veut dire dans l'air, ce n'est pas un vent qui vient te chatouiller ou souffler sur ta peau. Hein. Non. Il dit la puissance de l'air. C'est-à-dire que tu sens que tu veux aller devant. Et puis, il y a comme une force qui t'amène en arrière. Un peu comme il montrait tout à l'heure. Il saisit, il lui arrache. Mais ça, c'est dans l'air même. OK? Un hôtel envoie des voix. Un hôtel envoie des voix. Et les voix circulent dans cette puissance-là. Il y a des voix. Les voix de Dieu, les voix des ténèbres, les voix du village, les voix de ton passé, les voix de ton histoire qui contribuent à ne pas recevoir ce que Dieu te donne. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Dis avec moi, je triomphe. Dans le nom de Jésus. Alors, assieds-toi quelques secondes. On va prier encore tout de suite. Alors, dimanche dernier, pour amener à cela, on est allé sur l'histoire de Gédéon, en Juges chapitre 6. Dans une période d'Israël, Dieu a écrit cette histoire en fait pour nous. Cette histoire dit quoi? Que Israël était tourmenté par un peuple appelé les Madianites. Les Madianites ne tuaient pas les hommes. Les Madianites volaient les provisions d'aliments que Dieu leur donnait. Quand Israël avait semé, les Madianites venaient tout voler. Donc ça, c'est le symbole d'un esprit de pauvreté. Ils venaient voler. L'esprit de pauvreté arrivait et ils étaient plus puissants. Ils enlevaient leurs richesses, ils enlevaient leur maïs, ils enlevaient leurs moutons, ils enlevaient tout. Et Israël redescendait dans la pauvreté. Une vie cyclique. Tu gagnes, tu perds. Tu gagnes, tu perds. Tu gagnes, tu perds. Mais la Bible dit qu'ils n'arrivaient pas seuls. Ils arrivaient avec Amalek. Amalek qui signifie dépression, si tu veux encore pauvreté de l'âme. Donc, avec les pertes matérielles, s'ajoutaient des pertes émotionnelles. Des angoisses. Le nom Amalek signifie dépression. Ajouté à Amalek, il venait encore avec les fils de l'Orient, qui veut dire sécheresse. La sécheresse, ça veut dire on enlève l'eau. Ça veut dire on enlève l'espoir de voir quelque chose. C'est ce que j'appelle donc les fils de l'Orient. C'est rattaché à ce qu'on appelle dans la Bible le vent de l'Orient. Et le vent de l'Orient amène la sécheresse. Parce qu'on peut t'enlever ton fruit, mais ne pas t'assécher. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Les fils de l'Orient, là, eux, Madian va prendre le maïs. Eux vont enlever l'eau même pour que tu cultives le maïs. C'est-à-dire qu'ils enlèvent l'espoir même. Quand on trouve de l'eau quelque part, il y a l'espoir qui est la vie. Les fils de l'Orient amènent la sécheresse. L'esprit de pauvreté fait ces trois choses. Quand il frappe, il t'enlève ce que tu as acquis, il attaque ton âme, il attaque tes rêves. Mais dans le nom de Jésus, tu triomphes de lui dans le nom de Jésus. Donc, il y a des gens qui n'ont même plus la motivation ou ils sont là même de se battre. Pendant que je parle, Dieu va te faire, Dieu va t'enrichir. Dis, oh, pasteur, alléluia. Ils sont là, amen, amen. Mais quand il n'a plus la force, après mon message, d'aller appliquer ce que j'ai dit, c'est que les fils de l'Orient sont passés. Mais aujourd'hui, ils seront défaits au nom de Jésus. Amen.
Alors, Dieu apparaît à Gédéon pour lui dire, je vais te donner la victoire. Et Dieu lui dit, je te donne de la force. Va avec cette force que tu as. Ça, c'est le premier équipement, la force de Dieu. Et il dit ceci, va avec la force que tu as, va dans la maison de ton père. Amen. Là, comme j'espère que vous allez me suivre. Amen. Donc, d'abord, va avec la force que tu as. Après, elle dit, va dans la maison de ton père et, Juge 6, 25, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Écoutez, ce n'est pas l'autel qui les attaque, c'est les Madianites, Amalek et fils d'Orient qui attaquent. Et Dieu lui dit, avant d'aller te battre contre vos ennemis visibles, dans la maison de ton père, qu'est-ce que la maison de son père a à voir avec cela? Va dans la maison de ton père et va renverser l'autel. Il y a quelque chose dans la maison de ton père qu'on appelle un autel. Tu dois le renverser. Donc, oh, je vous ai montré qu'un autel a des voix, des éclairs et des tonnerres. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est-à-dire que c'est cet autel dans la maison de son père qui appelait les Madianites. Car le texte dit, quand Israël avait sémé, Madian venait. Remets-moi le verset. Quand Israël avait semé, quand Israël avait sémé, Madian montait. Les Madianites habitaient très loin. Mais c'est comme s'ils connaissaient les moments de leur semence. Dès qu'ils sèment, ils apparaissent. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui n'arrivent que quand tu as l'argent. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Amen. Quand on t'a donné ton salaire, c'est là, il y a quelqu'un qui est mort au village. Tu vois l'affaire. Amen. Quand quelque chose de bien arrive, c'est là aussi qu'une situation pour te faire dépenser. Il y a des gens, dès qu'ils ont leur salaire, une grande tentation vient. Et si on allait boire au bar? Dès que l'argent arrive, on va leur faire une proposition. Si tu investis ici, tu deviens milliardaire. Tes 1 million seront multipliés. Dès que Israël s'aimait, Madian était informé. Qui appelle l'attaque? C'était l'autel. Il y avait des voix invisibles. Donc Dieu dit, si tu veux finir avec Amalek, détruis l'autel. Et l'autel est dans la maison de son père. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et à la suite, il dit, détruis l'autel, abat le pieu sacré. Ça, le mercredi, au rendez-vous des champions, pourquoi? Il y a l'autel et puis il y a le pieu sacré. Il y a l'autel et il y a le pieu sacré. Les deux choses, ça fait partie de l'autel, le pieu sacré. Amen. Abat, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Donc, le pieu sacré, ça veut dire, c'est comme si c'est un sacrilège de faire ceci. Très souvent, les autels sont cachés devant des domaines que vous ne voulez même pas toucher et imaginer. C'est caché derrière des secrets. Est-ce qu'on est ensemble? C'est caché derrière. Et dit, enfin, attention, il ne faut pas renverser l'autel seulement. Il faut renverser l'autel et le pieu sacré. Mais le pieu sacré était placé sur l'autel. Amen. Tu peux m'asseoir. Le pieu sacré était placé sur l'autel. Un pieu sacré. Le pieu sacré cachait l'autel. Le pieu sacré couvrait la voix. La voix qui appelait la pauvreté était cachée derrière un système logique ou un système où on dit que c'est comme ça on est. La vie a toujours été comme ça. Ça là, c'est sacré. Ne touche pas à ça dans ma vie. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, renverse ce à quoi on ne doit pas toucher au nom de Jésus. Alléluia. Et lorsqu'il a fini de lui dire renverser, il dit renverse et construis un autel. Il dit tu bâtiras ensuite, verset 26, et tu disposeras sur le haut du rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Donc, un, je te donne la force. Deux, renverse. Trois, bâtis. Alléluia. Alors nous allons prier pour avoir la force. Qui veut la force? La force, c'est l'onction. Il faut que tu aies la force. Il faut que tu aies la force. Pourquoi tu dois avoir la force de Dieu? Vous êtes alourdi, hein? Levez-vous maintenant à prier. Tu n'es pas alourdi. Il ne faut pas laisser la lourdeur ni un sommeil te distraire. C'est l'esprit. Si tu as sommeil pendant qu'il parle, c'est l'esprit de pauvreté. Là. Parce que Dieu est en train de te donner la parole. Et lui, la voix est en train de crier. Tu as sommeil. Et puis il s'ouvre dans tes yeux.
Souvent, quand les messages qui vont te délivrer là arrivent, là, il y a quelque chose qui lutte. C'est-à-dire, le jour où Jésus allait donner la grande victoire aux disciples, c'est ce jour-là qu'un gros sommeil les a pris. Amen. Alléluia. Alors, tiens-toi debout avec vigueur. Pour se battre contre un autel, il faut l'onction. On va amener des verres d'huile. L'huile est représentée, l'onction est l'huile. Ils vont passer dans les rangées, vous allez mettre de l'huile dans la main. On va prier pour recevoir l'onction. Il te faut l'onction. Écoutez, l'autel parle. Il a sa voix. Mais vous aussi, vous parlez. Ce qui va se passer, c'est que pour renverser un autel, c'est une affaire de parole contre parole. Le mercredi, le dimanche prochain, je vais vous demander. Il dit dans le livre de 1 Roi 16, il a envoyé quelqu'un, il dit, je t'envoie, crie contre l'autel. Crie contre l'autel. Amen. C'est quoi ça? 2 Rois 16, non? Mais 1 Roi 16. Si tu me trouves la référence de crier contre l'autel. Voilà, 1 Roi 13. 1 Roi 13, verset 4. Il dit, d'abord quand Dieu envoie le prophète, il dit, lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main. Voici un homme de Dieu arriva de Juda par la parole de l'Éternel. Pendant que je rebois, se tenant à l'autel pour brûler des parfums. Il cria, verset 2. 1 Roi 13, verset 2. 1 Roi 13, verset 2. Donne-moi le verset 2. Il cria contre l'autel. Oui, pourquoi il a crié? Et Dieu l'a envoyé. Il dit, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, autel, ainsi par l'Éternel. Voici, il naîtra un fils de la maison de Juda. Son nom sera Josias. Il y mourra sur toi. Et puis, il a crié. Donc, un autel, on ne lui parle pas. Pourquoi crier? Parce qu'en fait, ta voix doit être plus puissante. Mais ce n'est pas une affaire de volume. C'est une affaire de puissance. C'est une affaire de puissance. Quand tu attaques un autel, le cri veut dire que c'est une forme de... Tu es comme énervé. Ça veut dire ça suffit. Le cri, c'est une révolte. Il faut que tu te révoltes contre le recul dans ta vie. Il faut qu'en toi, tu vois, pendant que je parle, sans toi la sainte colère, sans toi de... Allez, ça c'est bon, là, ça suffit. Là. Tu vois, sans toi que cette affaire-là, parce qu'on finit avec ça, on avance. Sans toi la sainte colère. Amen. Mais ton cri sera un cri parce que tu es loin. De quoi je suis en train de parler? L'onction de Dieu fonctionne comme un habit. Luc chapitre 4, verset 14. Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Luc 4, 18. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs. Un autel vous mettez dans une forme de captivité, de limitation. Il faut l'onction de Dieu pour renverser la prison de captivité. Il te faut la puissance de Dieu. Elle n'est pas de toi. C'est la force de Dieu qui est en toi. C'est la force de Dieu. Le grand homme de Dieu, Timothée, Dieu lui avait donné un don. Mais un autel de timidité criait contre sa vie. Alors Dieu lui dit ceci par la bouche de l'apôtre Paul. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Un esprit de force. C'est par la force de Dieu que tu vas démolir la timidité. La timidité empêche des travailleurs. Il y a des voix des hôtels qui crient, tu as honte, les gens vont se moquer de toi. Et ça vous paralyse et ça vous empêche de prospérer. La voix de la timidité. La voix de la timidité. Il y a des frères, depuis longtemps, ils auraient dû se marier, hein, mais la voix de la timidité. La voix de la timidité dit, il ne faut pas aller parler aux frères. Il ne faut pas aller parler à la soeur. Donc quand il vient à la soeur, soeur, alléluia. La soeur dit, alléluia quoi? Alléluia, Jésus est Seigneur. Frère, depuis longtemps, Dieu vous a mis en mariage. Dis-lui que tu l'aimes et que vous... Quand tu la vois, alléluia. Genoux et prions. Il est timide. Mon fils, Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité. Amen. Dieu a déjà pourvu à ton mariage. Maintenant, pour réceptionner là, il faut ouvrir ta bouche. Tu vas dire à la sœur quelque chose. Amen. Alléluia. Si elle a dit non, elle a dit non. Ou on ne meurt pas. Vas-y.
Amen. Reçois la force pour vaincre la timidité. La voix d'un autel satanique peut crier la timidité. La voix d'un autel satanique peut crier la paresse. C'est-à-dire que la voix d'un autel de pauvreté peut crier la fatigue et les maladies. À cause de la maladie, tu perds la provision. Tu t'as donné un travail pour pouvoir à tes besoins, mais tu es malade. La voix peut créer des attitudes étranges. Elle va te donner des conseils. Elle va te donner des orientations dans ton esprit et te faire mal agir. C'est pourquoi il faut que ta puissance soit au-dessus. Dieu te revêt maintenant de puissance. Dieu te revêt. Avant de mettre la main sur la tête avec l'huile, prie d'abord. Prie. Renda sarabara la sorobara la sonda la babra. Radabrada sota rababradas lorianda bradas lo. Radabradas lorianda radabrada sarabara la kata rababa. Shabrayata rababradas lorianda rababradas lorianda bradas la. Radabradas sorobara la konda la babradas larianda bradas larianda bradas. Raida brada sorobara la clarianda bradas sorobara. Radabradas lorianda bradas. Raida sarabara la clarianda brada sorbara la clarianda rababra rada baba sarabara la sorbara la clarianda brada sarabara la ke rida brada sa. Demande l'esprit, demande l'esprit, demande l'esprit. C'est le premier équipement pour renverser un hôtel. Rida brada sorbara la senta rababro. Rokatarianda rababrada seremara la kendele de bade bara rababrada seremara la korra bakataya remashara bara la sekataya reda la rianda rababrada seremara la kota reda brada sorobara la kota. Alléluia. Reçois. Amen, amen. Regarde, pendant que tu pries, attends-toi à recevoir l'esprit. Ne vous laissez pas intimider par la voix qui va vous dire que vous êtes indigne de recevoir l'onction. C'est la voix de l'autel qui est en train de te dire que toi, tu ne peux pas être loin. Tout enfant de Dieu, lorsqu'il demande l'esprit, Dieu a promis de lui donner. C'est pourquoi le manteau va venir sur toi. Tu le crois que tu le reçois. Crois que tu es en train d'être équipé maintenant. Alors continue de prier. Ereba sonda la babra ya karaba bradas lorianda babasha rada brada sorobara la sorobara la kla. Ah mon Dieu, tu m'as oint. Tu m'as oint de ton esprit. M'a équipé de ta force. M'a équipé de ta force. Tu m'as donné ton onction, Jésus. Et tu as fait de moi ton soldat. Fais de moi ton soldat. On va reprendre encore. Seigneur, tu m'as oint de ton esprit. Tu m'as oint de ton esprit. Tu m'as équipé de ta force. M'as équipé de ta force. Tu m'as donné ton onction. Tu m'as donné ton onction. Et tu as fait de moi ton soldat. Fais de moi ton soldat. Ouin, ouin de ton esprit. Rempli de ta force. Ouin de ton esprit. Je renverse les forteresses. Ouin de ton esprit. Rempli de ta force. Je conquiers. Je conquiers les territoires. Ouin de ton esprit. Ouin de ton esprit. Je renverse les hôtels et forteresses. Loin de ton esprit. Rempli de ta force. Yeah, yeah, yeah. Je conquiers les territoires. Maintenant. Maintenant. Tu vas amener la main de l'huile sur la tête. Que l'Esprit Saint te remplisse. Que l'onction de Dieu soit sur toi. Que l'onction de Dieu. Seigneur, équipe tes serviteurs. Équipe ta servante. Dis maintenant, attends-toi à sa grâce. Attends-toi à l'onction. Attends-toi à la puissance. Attends-toi au revêtement, tu es revêtu, tu es revêtu de puissance. Dieu a dit à Gédéon, va avec cette force. Il a équipé de la force, le Saint-Esprit est de la force. Acte 10, 38, nous savons comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus-Christ.
de Nazareth qui allait de lieu en lieu. La force de Dieu est sur toi. La force de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu vient sur toi. Merci papa pour ta force que tu nous donnes. Merci pour ton onction. Merci pour ton onction. Merci pour ton onction. Seigneur, réveille tes fils et tes filles. Réveille tes serviteurs. Partout où nous sommes, en ligne, en présentiel, partout. Réveille-nous de ton onction. Réveille-nous de ta puissance. Réveille-nous de ta force. Réveille-nous de ta force. Équipe-nous, Jésus. Équipe-nous, Jésus. Tu m'as oint de ton esprit. Disons-le. M'a équipé de ta force. Tu m'as donné ton onction. Dis-le. Tu m'as donné ton onction. Et dis ça à Dieu. Tu as fait de moi ton soldat. Fais de moi ton soldat. On va le dire encore. Seigneur, tu m'as oint de ton esprit. Tu m'as oint de ton esprit. Et tu m'as équipé de ta force. Tu m'as donné ton onction. Tu m'as donné ton onction. Et tu as fait de moi ton soldat. Fais de moi ton soldat. Ah, ouais. De ton esprit. Rempli de ta force. De ton esprit. Je renverse tes forteresses. On y va. Loin de ton esprit. Rempli de ta force. Je conquiers. Je conquiers. Déclare ouin, ouin de ton esprit, rempli de ta force. Je renverse les hôtels. Ouin de ton esprit, rempli de ta force. Je prends le territoire, je conquiers. Attends, déclare-le. Ouin de ton esprit, rempli de ta force. Je renverse les forteresses. Ouin de ton esprit, rempli de ta force. Je conquiers les territoires. Est-ce que tu es prêt à briser avec moi? Maintenant tu vas lever la main. Et tu vas voir cet hôtel dans ton esprit. Et tu vas annoncer qu'il est brisé au nom de Jésus. On y va. Brisé, brisé, brisé. L'hôtel est brisé. Maladie brisée. Hôtel de pauvreté brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Ravaso kataya, rebraya kataya, rebraya katara, alabraya sotara. Renverse les hôtels éternels, renverse l'esprit de pauvreté, renverse la timidité. Au nom de Jésus, renverse le hôtel satané. Robaya katara brasé. Jésus, je renverse tes hôtels, je détruis ton pouvoir, j'anéantis tes œuvres, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la pauvreté renversée, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, yeah 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 yeah. Rasa katariame, alaba kota yare, ashabra yeri mame, luka darabraya, ibraya sorobaranaka. Je vois la puissance de Dieu renverser toute œuvre satanique. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alléluia, rebraso katala, la maille brayase, obraya ketale. Un champion acclame Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors pour terminer cette session, pour terminer ce... Amen, amen. Acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, on va prier samedi, on va continuer de prier dimanche prochain. On va prier mercredi au rendez-vous des champions, on va continuer. Merci toi pour comprendre ce que tu vas faire dans la suite de la semaine. Amen.
Donc, Dieu a donné la force à Gédéon. Il dit, va avec la force. Va avec cette force que tu as. Donc, il lui a communiqué une force. Elle paraissait faible, mais c'est comme ça. Là, en ce moment, je vous parle, le manteau est venu sur vous. Amen. La puissance est sur toi. Chaque fois que tu veux prier contre un hôtel que tu as localisé, commence par prier pour l'onction. Il ne faut pas te dire, non, hier j'ai prié. Non, 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 non. L'onction, c'est un habit. Dans le monde invisible, ton esprit vient d'être recouvert de quelque chose. Et c'est ce qui fait que ta voix est plus forte que la voix de l'autel. C'est une guerre de voix. On crie sur l'autel. Ça veut dire que ta voix doit être au-dessus. Donc, le prophète a crié contre l'autel. Ça veut dire que pourquoi il a crié? Parce que l'autel parle. Et Dieu a utilisé le terme crier pour dire, il a parlé plus fort. Alors, ce qui fait que ta voix a plus de volume que ce qui t'accuse, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait que ta voix, la voix que Dieu te donne, est au-dessus de toute forme de ténèbres. Donc, quelqu'un qui n'a pas le manteau, même s'il dit, hôtel, je te renverse, ça, l'hôtel s'en fout. Le manteau, je vous ai dit toujours, c'est comme quelqu'un qui est vêtu d'un habit de policier. Ok? Si un policier est en civil et il va aider une voiture, arrête-toi, la voiture ne va pas obtempérer. Le conducteur ne va pas obtempérer parce qu'il ne voit pas de quelle autorité tu lui dis cela. Ok? Mais dès l'instant où tu te recouvres du vêtement de la police, la même phrase prononcée par la même personne, parce que ce n'est pas parce que tu es habillé, tu es la même personne. Si tu es policier quadio, tu es toujours policier quadio en civil comme en tenue. Ok? Mais dès l'instant où tu portes l'habit de police, la même phrase, arrête-toi, change de volume. Un policier qui dit arrête-toi, ça n'a rien à voir avec un civil qui dit une voiture, arrête-toi. Quand il dit arrête-toi, sa voix crie plus fort que ta vitesse. Sa voix crie plus fort que la grosseur de ton camion. Son geste même qu'elle fait comme ça, c'est plus puissant que toute ton excitation défilée dans ta voiture. Quand tu le vois, tu freines. Qu'est-ce qui a donné de la puissance? C'est juste l'habit qu'il a porté. C'est un habit d'une personne qui a l'autorité de l'État pour faire cesser toute infraction. C'est ce que vous avez reçu maintenant. Quand je vais aller en croisade pour libérer les captifs, pour que les malades soient guéris, parce que c'est des hôtels qui crient contre la santé des gens, je prie toujours pour être revêtu. Donc, même le soir, quand tu vas rentrer, quand tu vas continuer la prière, il ne faut pas commencer par dire, je me lève. Non, non, tu rentres d'abord dans le calme. Papa, remplis-moi, réveille-moi, réveille-moi de l'autorité. Et puis, sur cette base, maintenant, prie. Amen. Parce que sans le revêtement, vous manquez quelque chose. C'est comme si vous venez affronter sans tenue. Donc, ça prend plus de temps dans votre combat. Ok? Vous avez moins d'autorité. Que l'onction soit sur toi. Amen. Que l'onction soit sur toi. Amen. Que l'onction te revêque. Amen. N'oublie jamais l'épisode de l'onction. C'est le premier équipement. Mon thème, c'est équiper pour renverser les hôtels de pauvreté. Le premier équipement, c'est longtemps. Et tu as droit à l'onction. Si Jésus est dans ta vie, il dit, il donne l'esprit à tous ceux qui lui appartiennent. Alors, il y a toujours une voix que tu vas entendre quand là, tu dis, non, toi, tu es quel niveau spirituel et puis tu vas avoir l'onction. Comment tu es quel niveau spirituel? On n'a pas l'esprit parce qu'on le mérite. On a l'esprit parce qu'on a cru en Jésus. Amen. Alléluia. Il y a une voix qui va venir. Ton problème, l'intro qui est ici, parce que ça ne va pas prier pour toi. Tu vois. Dieu est aussi ton papa. À moins que tu n'aies pas reçu Jésus. Dieu est le papa de nous tous. Vous avez remarqué dans la Bible, Dieu n'est pas grand-père de quelqu'un. Vous savez ça, non? Dieu n'a pas dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, ton grand-père. Dieu n'est pas grand-père de quelqu'un. Amen. Il est le papa, mais n'est pas le grand-père. Alléluia. Quelque chose de vous l'a dit. Il ne faut pas dire, non, voilà mon pasteur, c'est mon père spirituel. Lui, il va aller parler à son papa spirituel qui est Dieu pour venir prier pour moi. Ça veut dire que Dieu est ton grand-père, donc tu dois passer par... Dieu n'est pas ton grand-père, Dieu est ton père. Il est mon père, il est ton père. Alléluia. Même si je suis ton père dans la foi, et puis il est mon père, mais en tout cas, il est notre papa à nous tous. Il n'est grand-père de personne. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, parle à ton papa pour qu'il te donne son esprit. Et il va te le donner. Lorsque l'esprit est arrivé dans votre vie, lorsque vous recevez l'onction, le deuxième équipement, j'arrive, c'est que il dit, la deuxième chose, c'est ce qui va se passer. Je prie qu'il se passe ici. Non, ce n'est pas d'abord le deuxième équipement, c'est l'orientation. Il dit à Gédéon, va dans la maison de ton père. Il y a quelque chose qu'on a planté là-bas. Ça veut dire, très souvent, ce qui fait qu'une pauvreté, un blocage est récurrent, c'est quelque chose qui vient de votre histoire. Quand Dieu dit à Timothée, Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité. Frère, on n'est pas timide en étant adulte. Hein. On est très souvent timide depuis l'enfance. Ok? La timidité peut être causée par le rejet. Donc, l'autel,
se présente comme un esprit de rejet dans votre vie, qui est placé quelque part, recouvert d'un pieu sacré, qui est une enfance qui vous a traumatisé. Il y a, à la conférence, il y a le pasteur Michael Lebeau qui prêchait, qui a donné son témoignage. Il dit, dans son quartier, je sais pas, il a voulu jouer, il voulait prendre le ballon, et puis ses camarades ont dit, oh, tu n'es pas dit. Enfin, et puis deux ou trois fois, son papa lui a donné une réponse simple. Mais c'est comme si il s'est senti rejeté, pas du tout digne d'être aimé. Et ça a pollué toute sa vie. Ça a failli détruire son mariage. C'est-à-dire que même quand tu l'aimes, il ne sait pas pourquoi tu l'aimes. Donc il avait une tendance à réagir très mal aux gens qu'il aimait. Parce que lui-même, il ne s'aimait pas. Et le rejet a pollué sa vie. L'autel, c'était un autel de rejet. Ça crée de la pauvreté. Il y a des autels de timidité. Il y a des autels de honte. Il y a des vrais autels de sorciers. Là, c'est le mysticisme. Mais il y en a, ça crée des attitudes. Il y a des autels de... Moi, par exemple, ce qui paralysait ma vie, j'avais l'impression que réussir n'était pas pour moi. Quand quelque chose devait aboutir, je me décourageais et puis j'abandonnais. Il y a des gens comme ça. Quand ils arrivent où l'affaire va marcher, là, eux-mêmes, ils laissent. Ils laissent. Il y a une force qui les dit de reculer. Donc, laissez le Saint-Esprit vous conduire. Que le Saint-Esprit te conduise dans la maison de ton Père et que l'Esprit te montre qu'est-ce qui trouble ton âme, ta vie. Quelle est la position de cet autel? T'es avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Guide mes pas. Guide mes pas. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Montre-moi, montre-moi la source des blocages. La source, des blocages, la source de l'autel. La source de révèle-moi. Révèle-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, dans la semaine, et d'ici le mercredi, on va prier. Il y a trois types de sources qui peuvent vous être révélées, qu'on appelle les trois autels d'appauvrissement. OK? Ça, on va le voir mercredi. On va prier par rapport à ça. Et puis le dimanche prochain. Amen. Mais la dernière chose à laquelle je termine maintenant, c'est que c'est le deuxième équipement, c'est le remplacement. Il dit ceci: renverse l'autel de Baal et construis l'autel de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Ne renversez pas un autel satanique si vous ne savez pas ce que vous allez bâtir après. Ne vous attaquez pas à un autel de pauvreté si vous n'avez pas préparé ce que vous allez construire. On ne chasse pas les ténèbres si on n'a pas encore la lumière. Quelqu'un me suit? Dieu dit par le prophète Zacharie à Josué: arrachez-lui l'habit sale, donnez-lui un habit neuf. Jésus dit: si tu délivres qu'une personne, un esprit est sorti de la vie d'une personne et il part, s'il revient et il trouve la maison vide et ornée, il crée 7 fois plus de problèmes à la personne. Ok? Donc, si je chasse un esprit, je dois être habité par l'Esprit de Dieu. Je ne dois pas laisser... J'ai chassé l'esprit de pauvreté et puis aller... Non. Ça va amplifier le problème. Donc, quelquefois, quand Dieu voit que vous n'avez pas le remplaçant, quand vous-même chassez l'autel, Dieu dit non, attends. Il dit aux anges, attendez. Il n'est pas prêt. Laissez l'Esprit là-bas. Et s'il est parti et puis le frère n'a pas comblé, la galère qui arrive là sera pire que ce qu'il a connu. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok? C'est un peu comme quand vous avez des mauvaises herbes. Il faut les enlever. Mais quand vous voulez enlever les mauvaises herbes dans un endroit, c'est parce que vous allez faire quelque chose là-bas. Ok? Vous ne débrouillez pas une forêt sans avoir un plan. Quand, si on te voit même déblayer, même on va te dire, mais tu veux faire quoi? Parce que c'est naturel que quelque chose même qui n'est pas approprié, l'enlever là, dit que tu dois le remplacer. Donc, il faut avoir, quand vous allez attaquer votre hôtel, qu'est-ce que vous allez mettre pour remplacer? Que Dieu te conduise vers ce que tu dois prendre pour remplacer. Amen. Amen. Si Satan combat ton foyer, c'est que Dieu, ce qui remplace, c'est le plan de Dieu. Et c'est là que tu vas apprendre à bâtir l'autel de Dieu. C'est le plan de Dieu. Si Satan combat ton foyer, la question à te poser, qu'est-ce que Dieu veut pour ton foyer? Pourquoi ton foyer est-il autant attaqué? Donc quand tu vas chasser l'autel qui attaque ton foyer, tu vas confesser et appeler l'autel de paix, de grâce, pour que ton foyer soit ce qu'il aurait dû être. Pourquoi Satan attaque tes finances? Qu'est-ce que tu dois faire si tu avais ces finances? Quelle est la mission que Dieu va te donner si tu avais ces finances? Avant de chasser l'esprit de pauvreté, il faut commencer à préparer les briques de l'esprit qui va t'amener la prospérité. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas chasser la pauvreté et puis rester vide en attendant qu'une idée arrive pour vous enrichir. Non, vous devez l'avoir en tête. Quand vous allez enlever les herbes, vous avez déjà préparé les briques. Vous avez déjà votre plan.
vous savez exactement. Ça, c'est la mentalité de remplacement. C'est-à-dire, Seigneur, montre-moi pourquoi un hôtel me combat à ce niveau. Pourquoi, dans ce niveau-là, je manque de quelque chose. Pourquoi je manque? Quand tu vas savoir pourquoi tu manques, tu sais que tu es déjà prêt à renverser. Parce qu'après, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il faut bâtir maintenant et comment le bâtir. Est-ce qu'on est ensemble? On va se lever, on va prier pour ce dernier sujet. On m'a dit, cet esprit qui est venu sur moi, oriente-moi. Je, mon mariage, ma famille, ma santé est combattue. Pourquoi? Si je suis en bonne santé là, j'étais censé faire quoi? Et puis je suis tout le temps poursuivi par la maladie, un cancer, un mal par-ci, un mal par-là. Mais qu'est-ce qu'on combat? Qu'est-ce que Satan combat? Il a peur de quoi? Que va donner ma bonne santé? Père, montre-moi ce que tu me destines à être, afin que je sache pourquoi et comment enlever ce qui me rend malade. Prie le Seigneur et Dieu va te parler. Père Céleste, roi des rois, ne laisse pas ton serviteur dans l'aveuglement, ne nous laisse pas dans le blocage. Révèle-nous ce que nous avons à faire par ta grâce divine. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ah, montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Révèle-toi à moi. Montre-moi la voie, afin que je te connaisse. Montre-moi la voie, Seigneur, je prie, afin que tu m'éclaires et tu me la voie. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur notre Dieu, afin que je te connaisse. Amen. Et le message que je suis en train de donner est tiré de ton boost numéro 7. Amen. Neutralise la malédiction de pauvreté et devient une source d'approvisionnement. Et en ce moment, je suis en train de parler, parmi les choses qu'on peut appeler comme malédiction de pauvreté, je suis en train de parler de renverser les autels d'appauvrissement. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Seigneur, glorifie ton nom. Amen, amen, amen. Alors, je vais refaire l'illustration que j'ai faite le dimanche dernier pour vous montrer comment Satan... Excuse-moi, tu peux baisser encore totalement le volume. Et puis voilà. Voilà. Et puis prends des sons longs, pas piano. Baisse ton volume. Amen, amen. Alléluia. Alors, parlant des hôtels d'appauvrissement, on a eu depuis déjà deux week-ends, nous sommes au troisième, où nous sommes en train de parler de ce sujet très important. Très important. La Bible dit que lorsqu'on demande une chose, Dieu nous la donne. La Bible dit encore, dans le psaume 23, que si Jésus est ton berger, tu ne manques de rien. Tu ne manqueras de rien. Amen. Donc, si quelqu'un manque de quelque chose, il doit se poser la question, est-ce que Jésus est vraiment mon berger? Ça, c'est la première étape. Et j'en parle beaucoup dans ce livre. Jésus doit être ton berger. Jésus devient ton berger lorsque tu lui donnes ta vie, lorsque tu dis, Seigneur, je te donne ma vie, je veux te suivre. Et je vous explique dans l'ouvrage des éléments qui vont favoriser le fait que vous suiviez Jésus comme une brebis qui suit son berger. Amen. Et quand Jésus est ton berger, tu ne manques de rien. Lorsque Dieu dit de rien, il n'est pas en train de parler d'argent seulement. Il parle de quatre domaines de provision de Dieu. Amen. La première provision d'un homme, c'est la provision de son esprit. Tu es un esprit et ton esprit se nourrit. Quand Dieu dit tu ne manqueras de rien, ton esprit se nourrit de paroles, de victoires, de motivation intérieure. Ça, ces genres de choses-là, Dieu va te les donner. La vision, le rêve, les paroles sont importantes dans la vie. C'est ce qui fait courir un homme. C'est ce qui lui donne une forme de rêve à atteindre. Que tu ne manques de rien au nom de Jésus. Quand Jésus dit que s'il est ton berger, tu ne manqueras de rien, il est en train de parler aussi de la nourriture de ton âme. Parce que tu as un corps, tu as une âme et tu as un esprit. Ton corps peut manger, tu peux avoir une maison, mais ton âme peut être affamée. Ton âme peut être affamée. Parce que l'âme se nourrit non pas d'argent, de foutu, de riz, de frites, mais l'âme se nourrit de la considération, du respect, de l'amour. Donc lorsqu'une personne n'a pas d'amour, n'est pas aimée, ne se sent pas respecté, considéré, il y a quelque chose qui est dans sa vie, quelque chose qui lui va mal. Vous savez,
Si par exemple ton patron vient te donner l'argent, même si tu as un gros salaire, mais il te dit je te paye 1 million et puis il t'insulte en te donnant l'argent, tu vois, l'argent a nourri ton corps, mais la parole qu'il a dite a détruit ton âme. Ça t'a fait mal. Donc, il a nourri ton corps, mais il n'a pas nourri ton âme. Ton âme ne mange pas les 10 000 francs. Ton âme ne se réjouit pas de l'argent. Ton âme a une autre nourriture. Et elle est importante. Lorsque votre âme est brisée, c'est de ça qu'on va parler, est brisée, c'est votre vie entière qui est en danger. Alléluia. De la même manière que quelqu'un qui ne mange pas physiquement peut mourir, quelqu'un qui ne mange pas émotionnellement, qui n'a pas une bonne nourriture dans l'âme, il ne va pas d'abord mourir physiquement, mais sa vie sera ruinée. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que cet enseignement te relève émotionnellement au nom de Jésus. La nourriture aussi, quand Jésus dit que tu ne manqueras de rien, c'est-à-dire il va pourvoir aux besoins physiques. C'est quoi les besoins physiques? C'est la santé, c'est la nourriture que tu manges. Tout ça, ça participe à ton bonheur, à ton bien-être physique. Lorsqu'il dit tu ne manqueras de rien, il fait référence aussi, tu auras les moyens matériels dont tu as besoin. Que Dieu te les accorde dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu auras besoin d'une maison, payer ton loyer, acquérir la maison, Dieu dit tu ne manqueras de rien. Qu'il en soit ainsi dans vos vies, dans le nom de Jésus. Alors dimanche dernier, je t'expliquais que Dieu exauce toujours, Dieu pourvoit toujours. Mais, en tout cas, quand on prie, quand on a la foi, quand on est sa brebis, il pourvoit. Mais il se peut que dans la pratique, on ne le vive pas. On ne le vive pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Dieu n'a pas exaucé. Dieu a répondu. Dieu t'a donné les besoins. Pour plusieurs, le besoin affectif, c'est marital. Ils ont besoin d'un homme, ils ont besoin d'une femme qui sait l'aimer. C'est de ça que tu as besoin. La nourriture de ton âme, beaucoup de nourriture de l'âme se trouve dans le mariage. Vous savez ça? La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Le mariage participe beaucoup à la nourriture de l'âme. Que Dieu t'accorde. C'est pourquoi la prière qu'on va faire le mardi, on va renverser aussi l'autel qui combat ton mariage. Les autels des célibats seront renversés dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais beaucoup m'attarder sur les autels d'appauvrissement émotionnel. Pas sur l'appauvrissement matériel, mais sur ce qui travaille vos âmes. Amen. Alors, la dernière fois, j'avais fait cette illustration, et je vais la refaire. Viens, Mathias, ou viens, venez, venez. Amen. Bien. Mais vous n'avez pas suivi la dernière fois. Toi, tu étais là, non? Voilà, tu es. Toi, tu jouais quel rôle? Un bon ou bien... Bon, toi, viens. Amen. Ok. Alors, on va faire ça différemment. Donc, c'est toi le cause. Toi, tu représentes ce qui n'est pas bon. L'autel satanique. Bon. Tout ce que Satan fait pour empêcher. Alors, amen. Dieu vous donne. Dieu fait en sorte que tu ne manques de rien. Donc, c'est Dieu lui-même qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Et qui dit, je vais donner une femme à Adam. Donc, Adam était censé ne manquer de rien. C'est lui qui a fait que dans le jardin d'Éden, il y avait à manger. Dieu a pourvu. Ça, c'est comme ça ton Dieu est. Mais dans la pratique, beaucoup d'entre nous manquent de beaucoup de choses qui sont naturellement prévues par Dieu. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? La première des choses, c'est que, généralement, c'est que ce que Dieu donne, on ne le reçoit pas. On ne le reçoit pas. Donc, la main est bloquée. Et puis, dans la bouche, il dit, « Oh Dieu, je veux me marier. » Mon fils, tu veux quoi? Je veux me marier, papa. Tu veux te marier? Oui, papa. Tiens, ta femme. Tiens, ton mari. Et il continue de prier, je veux me marier, je veux me marier. Mais est-ce que Dieu lui donne? Voilà, mais il ne saisit pas. Il ne saisit pas. Alléluia. Dans la pratique, je vois beaucoup de sœurs, des frères même qui sont venus me rendre le témoignage. J'ai vu des gens qui ont prié pour leur mariage. Hein? Il y a une sœur qui est venue la prier. Dieu lui a donné son mari. Le frère même est venu la voir. Il dit vraiment, je sais que c'est toi. Elle-même, elle sentait que c'était elle. C'était lui. Mais, et ça veut dire qu'elle a tourné. Elle attendait une forme de sensation, de je ne sais pas qu'est-ce qu'elle cherchait. Et puis, ça a duré. Et le frère, un jour, il est venu présenter une autre sœur. Le temps qu'on comprenne. Le frère, et donc, quelque temps avant le mariage,
Mais façon de prier maintenant. Rikata la papa. On dit ma fille c'est terminé. Dieu est passé à autre chose. Allez. Oui, c'est très fréquent. C'est vrai que l'année dernière, j'avais au moins 3-4 cas de personnes à qui Dieu avait donné le mariage, mais elles n'ont pas saisi, elles n'ont pas reçu. Il y a la réception et puis il y a le don de Dieu. La personne en train de dire, papa, depuis là, Dieu ne m'exauce pas, Dieu ne me donne pas. Mais Dieu te donne, c'est toi qui laisses partir. Pour une raison ou pour une autre. Et très souvent, ce sont les hôtels émotionnels qui font que les personnes n'entrent pas dans le mariage. Ok? Ou bien même quand la personne est rentrée dans le mariage, elle jette, elle perd son mariage. Et c'est pareil aussi sur le plan financier, c'est pareil sur le plan spirituel. Dieu vous donne, Dieu donne, et tu ne reçois pas. Amen. L'autre possibilité, c'est que tu es prêt à recevoir. Tu ouvres la main. Ok, tu es prêt à recevoir. Le don arrive. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Le diable, amen, vient combattre. Donc, tiens ta femme. Donc, il a paralysé sa main. L'autre côté, il saisit. Et puis, lui, il attrape le brigand. Il lui arrache. Et s'il ne fait pas, il le frappe. Voilà. Donc, ça, c'est du brigandage. Amen. Un autre cas de figure, c'est la séduction. Alors, donc, le brigandage, vraiment, ça veut dire que quand la chose arrive, tu sens qu'une force, des maladies, des problèmes surviennent, une série de difficultés survient, et tu perds le travail que Dieu t'a donné. Il y a des personnes, dès qu'ils trouvent du travail, en même temps, ils tombent malades, au point où ils sont, physiquement, ils ne peuvent pas aller au travail. Les hôtels sataniques sont capables de faire ça, rendre malade une personne et l'empêcher de saisir la chose que Dieu lui a donnée. Ça peut être plusieurs circonstances qui combattent cela. Okay? Un autre côté, c'est que Dieu te donne le mariage, Dieu te donne le travail. Et puis, il y a la séduction. La séduction, c'est que là, il vient et te baratine. Voilà. Et puis, toi-même, tu lui donnes. Toi-même, tu lui donnes. Ok? La séduction peut se passer de différentes façons pour nous faire perdre les choses que Dieu nous a données. Il y a plusieurs formes de séduction. Mais tout qu'on fait, c'est des idées qu'il t'envoie. Par exemple, tu as trouvé l'homme de ta vie, Dieu te l'a donné. Et puis pendant ce temps, un vieux feu qui était mort. C'est-à-dire que maintenant le gars, il réapparaît. Il vient. Oh. Et puis, oh, il te connaît. Il connaît ton style. Vous étiez au lycée ensemble. Vous étiez à l'université ensemble. Il connaît ton style. C'est maintenant qu'il vient. Il t'a dit que non, lui-même, il a divorcé. Et que maintenant, vraiment, quand il se souvient de toi. Et, oh, tu étais sur le point de te marier. Tu as commencé le cheminement, tu as fait Eden 1. Et quand tu as fait Eden 2, lui aussi, il apparaît. Et il te dit, donc, tu commences à être bizarre avec ton fiancé. Tu commences à être bizarre, tu fais des palabres. Demain, si tu ne veux pas, c'est-à-dire que si tu ne veux pas. Et tu jettes, tu donnes ton fiancé. Maintenant, quand tu vas aller chercher le frère, le vieux feu qui est revenu, soit il s'en va. Et à la fin, il est parti. Tu te retrouves sans avoir reçu ce que tu avais demandé à Dieu. Tu as été séduit. Une autre manière de faire qui est propre aux hôtels d'appauvrissement émotionnel. J'appelle appauvrissement parce que Dieu te donne la provision et puis Satan vient t'appauvrir. C'est pourquoi j'appelle ça appauvrissement. Okay? L'autre côté, c'est que il te donne et puis à un moment donné, tu es fatigué même de la chose. Tu es déçu de la chose. Et puis soit tu laisses tomber. Ou tu donnes. Prenons l'exemple du travail. Comment on peut être séduit ou bien être découragé? La séduction. Je connais des personnes à qui Dieu, qui ont prié pour du travail. Dieu leur a donné du travail. Mais eux-mêmes ont perdu leur travail. Comment? Parce qu'ils arrivent au boulot par exemple et puis Satan envoie une voix. Quelqu'un vient lui dire, non, le patron, il est injuste, il est comme ceci, il est comme cela, et puis il se plaint dans l'entreprise. Et eux-mêmes, ils commencent à devenir aigris. J'ai des personnes qui ont perdu leur boulot pour des problèmes de caractère. Et vous savez, moi-même, j'ai failli me faire renvoyer de l'école par ces gens de séduction. Quand j'étais encore étudiant, les élèves se plaignaient beaucoup de notre directeur.
Il se plaint trop, il se plaint. Parce que vraiment, mais le directeur, quand il le voit aussi, il dit vraiment, il y avait de quoi se plaindre. Et les gens se plaignaient. Et j'entendais les étudiants parler. Oh, notre directeur, vraiment, ça là, non. Il faut qu'on fasse grève, Non, on ne peut pas laisser. Donc le directeur a entendu qu'il y avait des mouvements qui voulaient se préparer. Et puis il a convoqué un certain nombre d'élèves, d'étudiants. Et j'étais parti, je ne sais plus pourquoi je me suis retrouvé à cette réunion-là. Et j'arrive à la réunion, le directeur parle, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai appris qu'il y a des plaintes. Voilà, je suis là moi-même, expliquez-moi. Oh, il est en train de chercher les meneurs pour les faire quitter l'école. Moi, je ne savais pas. Je regarde, tous ceux qui venaient se plaindre chez moi, là, eux tous étaient calmes. Le directeur dit, mais qui? Et j'étais ignorant. Je lui donnais toute la bonne foi, que non, c'est un bon directeur, il faut qu'on lui explique ce qui se passe. Donc, comme personne ne prenait la parole, j'ai pris la parole. Monsieur le directeur, il dit, oui, c'est quel étudiant? Étudiant quoi? Je dis, étudiant Mohamed Sanogo. C'est très bien. Oui, explique. Je dis, mais voilà, vous voyez, il y a telle chose qui se passe à l'école, il y a telle chose qui se passe ici, c'est de ça les étudiants, c'est plein, on n'est pas content, les gens ne sont pas contents. Il dit, ah, ok. Mais voilà, c'est bien. Il dit, rappelez-moi qu'on votre nom, et puis il dit à son secrétaire, là, il est en quelle classe? Il est en quelle école? Écrivez-le. Je vous verrai après. C'est quand la réunion est finie, j'ai compris que je m'étais fait fichier et un programme allait être mis en place. Donc il s'est dit que c'est moi le meneur. C'est moi, vous comprenez? Et j'ai vu des frères perdre leur travail parce que des voix sont venues les inciter à la révolte et ils ont dit des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Alors pourquoi je parle de voix? Parce que sur le plan spirituel, quand Dieu vous donne une chose, Dieu vous donne un travail, Dieu vous donne un mariage, Dieu vous donne une femme, Dieu vous donne quoi que ce soit que Dieu vous donne, c'est par la foi que vous recevez. Vous recevez dans la foi, c'est par la foi. Ce que Dieu donne est d'abord une forme d'esprit. Vous le voyez, vous l'imaginez, il y a les cinq principes de la foi qu'on traitera plus tard. Mais vous le savez, c'est par la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, verset 17. La foi. La foi est une chose qui est très simple. Quand on va l'aborder, vous allez voir que, franchement, c'était juste une affaire de mauvaises informations qui vous créent des problèmes. La foi vient de ce qu'on entend. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, il y a des choses qu'on entend. Alors, quand la Bible dit ce que tu entends, il faut savoir que le corps physique, ton corps, n'entend pas ce que les mêmes choses que ton âme entend. Chacune des parties de ton être a une oreille. Il y a des oreilles. Un jour, Jésus a demandé aux disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Quand l'apôtre Pierre a répondu, « Tu es le Christ », Jésus lui dit, « Tu as entendu le Père te parler. » Donc, Pierre n'a pas entendu audiblement une voix, mais une idée est venue dans sa tête. Votre esprit, quand il l'entend, ce sont des idées. Vous pensez que l'idée d'aller commencer un commerce, ça peut être Dieu qui t'a dit, « Va le commencer. » Une idée. L'âme de l'homme entend aussi, mais il entend des émotions. Et c'est ça. Donc, il entend des voix émotionnelles. Alors, il entend un son qui le rend triste, coléreux, joyeux, etc. Il entend une voix, mais personne ne parle à ton oreille. Sauf que tu peux savoir quel est l'élément déclencheur de ta tristesse, de ta joie, ou de ta colère, ou de l'état émotionnel. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc on entend. La foi vient de ce qu'on entend, mais de ce qu'on entend la parole de Christ. La foi qui permet de prendre les choses de Dieu vient de ce que tu entends Christ. Le doute qui te fait perdre ce que Dieu t'envoie vient aussi de ce que tu entends, mais de ce que tu entends le diable. De ce que tu entends la parole du diable. Qu'aujourd'hui Dieu te donne de triompher de toute forme de parole du diable au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Donc tous ceux qui ont vu lui, par exemple, c'est audiblement j'ai entendu des propos qui ont failli me faire perdre l'école que Dieu m'avait donnée. C'est Dieu qui m'a dit que je devais dans cette école et j'ai failli quitter cette école parce que j'ai été séduit par les plaintes des étudiants. Dieu ne voulait pas que je réagisse, mais il m'a fait grâce. Je n'ai pas été renvoyé. Qu'est-ce qui s'est passé?
Juste après ça, vraiment, quand vous aimez Dieu, Dieu vous sauve souvent. Dieu vous sauve. Amen. Juste après ça, il y a eu des problèmes. Le directeur a eu une série de problèmes qui ont fait qu'il m'a oublié. Vous avez le dossier même, il a oublié. Il a commencé à régler les problèmes là. Sinon, je n'allais pas finir mon programme scolaire. Pourquoi? J'avais perdu une chose que Dieu m'avait donnée. Combien ont perdu le mariage, perdu le cœur, leur travail. Ils ont perdu les choses que Dieu leur a données. Dieu t'a donné, mais tu as laissé passer. Dieu t'a donné, mais tu as laissé passer, tu as laissé tomber ou tu as été braqué. Bon, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tout ce que tu as perdu, tu seras restauré. Au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle la Bible présente Satan comme étant un voleur, un égorgeur, un tueur, un destructeur. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Donc, tout est une affaire de qu'est-ce que ton esprit entend. Qu'est-ce que tu entends? Si tu entends le Christ et que tu agis en fonction de ce que Christ a dit, tu vas saisir tout ce que Dieu te donne. Si tu entends Satan, tu vas perdre. Si tu entends et que tu agis en fonction de la voix que tu as entendue du diable, tu vas perdre ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Alléluia. On va prier le Seigneur Jésus. On va se lever, on va prier pour notre premier sujet. Alors, ce que j'ai expliqué précédemment, c'est que les voix récurrentes. Alors, si perdre quelque chose, perdre le bonheur, perdre ton mariage, perdre ton travail, perdre ton école, perdre l'argent, perdre la maison, si tu perds les choses que Dieu te donne et ça revient de manière récurrente, c'est très fréquent. Lorsque c'est très fréquent, ça veut dire qu'il y a une voix qui revient régulièrement. Une voix qui revient régulièrement est une voix d'autel. Ce n'est pas que Satan même vient s'asseoir pour parler tout le jour. Il met un poste radio ou bien il émet un disque. Il a mis le CD là-dedans et puis il joue la musique. Voilà. Il joue la musique, il joue la musique, il joue la musique. Et ton esprit entend ça permanemment. Chaque fois que tu te travailles, il joue la musique, il joue la musique, il joue la musique. Il joue ce son-là. Les autels parlent. Apocalypse chapitre 16, verset 7. Là, c'est un autel de Dieu. L'autel de Dieu dit, dans mon 16-7, il a dit quoi? Lisons ensemble, 1, 2, 3. Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Amen. Donc, il y a un autel ici qui est là. Et qu'est-ce que cet autel-là est en train d'appeler? Que Dieu est Seigneur et il appelait la justice de Dieu. Ok? Mais c'est un autel de Dieu. Ça, ce sont les types d'autels que Dieu a placé, qui font des prières constantes pour attirer le retour de Jésus. Vous me suivez? Vous allez voir que les serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament ont souvent conduit plusieurs autels. Aujourd'hui, comme on va progressivement vers remplacer les autels de la culpabilité, il faut savoir que dans la vie, on en peut en bâtir plusieurs. Parce que un autel ne peut pas tout dire. Il doit dire une ou deux ou trois choses. Tu ne peux pas tout dire. Tu ne peux pas dire ton hôtel. Tu bâtis un hôtel pour Dieu, puis il va dire, voilà, tu prospéreras, tu vas te marier, tu vas voyager. L'hôtel lui a dit tout ça. Ce n'est pas intéressant. Il faut qu'il dise quelque chose de très spécifique. Amen. Ça, c'est important déjà de le savoir. Quand je vais arriver, comment on remplace un hôtel? Qu'est-ce qu'on positionne? Vous allez savoir comment vous le faites. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que tout hôtel qui te fait perdre ce que Dieu te donne. Oh Dieu, dans ta grâce. Qu'il soit localisé et renversé dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il soit localisé et renversé dans le nom de Jésus. Élève la voix avec moi et prie de tout ton cœur. Rida brada soro bara la clari anda brada sara bara la ki. Rida brada soro bara la sonda raba brada sara bara la ba. Rakatari anda raba seri bara la so. Robra kata raba brada sara bara la clori anda raba be. Rada brada soro bara la brinda brada soro bara la clori anda bo. Shabra ya katari anda raba brada soro bara la ki. Reba kata raba brada soro bara la clori anda brada sara bara la ka. Raida brada soro bara la soro bara la clori anda raba be. Reba Zaraba Katarian Darabakata Lamaha Lori Bakatarian Darababe. Merci Saint-Esprit.
Je te supplie, Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Manifeste la grâce. Localise les autels. Que tout autel d'appauvrissement soit renversé dans le nom de Jésus. Et que ton autel soit bâti au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. On va se rasseoir encore. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, je veux te parler de renverser les autels d'appauvrissement émotionnel, c'est-à-dire des voix qui ne s'attaquent pas à ton esprit, mais s'attaquent à ton âme. C'est-à-dire que Satan a un poste, un émetteur d'un message qui s'attaque à ton âme. Et en s'attaquant à ton âme, il te fait perdre tout ce que Dieu t'envoie. Une personne, il y en a plusieurs dans la parole de Dieu, mais un exemple le plus manifeste, c'est l'apôtre Pierre. Alors, bizarrement, quand Jésus le rencontre au départ, Jésus dit, je ne vais plus t'appeler Simon, je vais t'appeler Pierre. Jésus, en posant cet acte, est en train de bâtir un autel. Jésus a le changement de nom de l'apôtre Pierre est un autel divin qui a été bâti. Rappelle-toi, un autel donne des voix, c'est-à-dire, en le faisant appeler Pierre, il est en train de l'appeler quelqu'un de solide. Tu te souviens de Matthieu chapitre 16. Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église qui ne va pas s'écrouler. Okay? Pourquoi il a fait ça? Parce que Pierre avait un problème dans son âme qui l'amenait à être inconstant et irrésolu. C'est-à-dire qu'il a beau être décidé, à un moment donné, il y a une forme de peur qui l'envahit et qui lui fait lâcher ce qu'il avait commencé à essayer de faire. Jésus dit à Pierre, je te donne maintenant le pouvoir, je te donne la provision de marcher sur l'eau en me rejoignant. Pierre dit, si c'est toi, commande que je vienne. Jésus dit, viens. Donc Dieu l'a exaucé. Dieu a répondu favorablement à sa demande. Jésus lui a donné le pouvoir de marcher sur les eaux. Mais Pierre n'a pas marché jusqu'au bout. De la même manière que Dieu donne le mariage à certaines personnes, mais qui ne vont pas jusqu'au bout de leur union. Dieu donne le voyage à certaines personnes, mais qui ne vont pas jusqu'au bout du processus. Dieu donne des maisons à certains, mais qui ne vont pas jusqu'au bout du processus. De même, Dieu a donné à Pierre le pouvoir de marcher sur l'eau, mais il n'est pas allé jusqu'au bout du processus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ses émotions ont été dérangées. La Bible dit en Matthieu chapitre 14 que, voyant que le vent était fort, il a eu peur. La peur fait partie des sentiments, ce sont des émotions qui l'ont envahi. Il n'a pas renié Jésus. Il n'a pas dit, Jésus, je ne crois plus en toi. Il n'a pas dit, Jésus, je ne crois pas que tu peux me faire marcher sur l'eau. Il était simplement envahi de la peur. Et qu'une fois que ces émotions-là l'ont saisi, au lieu de continuer à saisir son miracle, il s'est enfoncé. Jésus lui a dit, pourquoi as-tu douté? Donc le doute dans sa vie s'est manifesté parce qu'il a entendu la voix du vent. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen, amen. Amen. Donc il a perdu. Qu'est-ce qu'il avait animé? La peur. Le même apôtre Pierre a dit à Jésus, tout le monde peut t'abandonner sauf moi. Il était sincère. Comme ta femme ou bien ton mari. Le jour du mariage, il a dit, je te ferai, je donnerai ma vie pour toi, ma chérie. Je t'aime plus que tout sur la terre. Tu es le sens même de ma respiration et de ma vie. Il a dit tout ça. Pierre dit à Jésus, tout le monde peut te renier, sauf moi. Je t'aime trop, Jésus. Jésus, tu es ma vie. Jésus, je suis prêt à mourir pour toi. Jésus, je donnerai ma vie pour toi. Personne. Il était sincère. Jusqu'au jour où Jésus était livré. Une nounou, une bonne à la maison, est venue demander, une servante. Toi, tu étais Jésus. Il dit jamais. Tu vois, qu'est-ce qu'il avait envahi? La peur. L'émotion de la peur était plus fort que sa décision. C'était plus fort que sa décision. Là, ici, c'est la peur. Mais il y en a d'autres, leur émotion, c'est que subitement, la personne qui l'aimait, Satan t'envoie un message qui fait que tu détestes. C'est-à-dire, tu regardes ton mari et puis il t'énerve. Tu regardes ta femme, elle t'énerve. Toi qui étais prêt à donner ta vie pour elle, subitement, sa tête t'énerve. Lui qui était prêt à donner sa vie pour Jésus, subitement, il ne le connaît plus. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur. Et ce n'est pas arrivé une fois. Donc, trois fois, il a renié Jésus. Le même Pierre, c'est comme quelqu'un qui dit, je veux te rejoindre en marchant, mais il y a toujours une forme d'émotion, de sentiment qui vient l'envahir, qui lui fait renoncer à ce qu'il a dit.
vous n'avez pas aidé d'un homme d'homme et de femme sur la terre. Vous n'avez pas aidé, nous tous qui sommes là. Là maintenant, on est victime de l'autel de destruction émotionnelle. C'est quelque chose qui nous pollue la vie. Ça nous fait perdre les dons, les choses que Dieu nous donne. Vous devez absolument traiter avec ce problème. Sinon, Dieu peut te donner le bonheur. Il dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais le bonheur que Dieu te donne peut se transformer en cauchemar. Ça peut se transformer en cauchemar si tu ne traites pas avec ce problème. Alors, quand ça arrive une fois, ce n'est pas un hôtel, ça veut dire que Satan est venu te tenter. Mais quand c'est régulier, chaque 6 mois, toi et ton mari, vous faites un gros palabre au point de vouloir vous séparer. Si tu as remarqué la fréquence, je t'assure qu'il y a un hôtel qui parle. Il y a quelque chose qui veut que tu... Il y a quelque chose qui ne veut pas que tu te maries. Il y a une voix qui ne veut pas que tu te maries. Ok? Alors, la voix qui vient de l'hôtel, généralement, par exemple, pour des personnes qui sont envahies par l'esprit, par les émotions de colère. Les émotions de colère font que les gens cassent leurs relations. Sous la colère, ce que tu vas dire, je ne t'ai jamais. Je ne veux plus te voir. Oh, tu veux le voir. Mais tellement tu es en colère. Je ne veux plus. Je te hais. Tu ne le hais pas. C'est l'hôtel qui est en train de parler en toi. Et les hôtels de colère, c'est par exemple l'hôtel de colère, tu entends une voix qui va attirer ton attention sur quelque chose qui n'aurait pas dû. C'est-à-dire, même si le sujet est avéré, la voix vient dire, par exemple, quelqu'un peut faire des efforts. Hein. La voix de l'hôtel va attirer ton attention si l'effort qu'il n'a pas fourni. Il dit, oui, il t'a donné un cadeau, mais à sa maman, il a donné ça. Il aime sa maman plus que toi. Et puis l'avoir en esprit, il a marié sa maman. C'est juste ça. Est-ce que tu sais que tu peux perdre ton mariage pour ça là? Cette voix-là, en même temps, c'est-à-dire que il t'a offert une voiture, mais à sa maman, il a fait une maison. Oh, 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 oh. Oh, je t'assure, je ne veux pas cette voiture. Moi, je ne veux pas cette voiture. Parce que la voix de l'hôtel va attirer ton attention. Compétition, maman, belle-mère et fille. Belle-mère. C'est-à-dire que la voix-là vient. Ta belle-mère. À un moment donné, tu t'emportes, tu commences à agresser ta belle-mère, tu deviens bizarre. Et vous vous séparez. Pourquoi est la voiture? Elle est à la maison. Toi, tu as une voiture. Mais est-ce que c'est un sujet? Tu ne vois pas son amour. Tu vois? Mais toi-même, dans ton intelligence, tu n'aurais pas eu ce raisonnement. Mais ce sont tes émotions qui sont montées à force de quelque chose que tu entends. Donc il y a des gens, ça devient de la colère. Donc d'un moment, il a attrapé la bouteille là. Et mais ils prennent la bouteille. Ta belle-mère. À un moment donné, il dit, oh, je veux plus. Et puis tu jettes ton mariage. C'est Dieu qui t'a donné. Tu es en train de le jeter. Certains ont jeté leur travail, jeté leur amitié. Jeter des gens que Dieu leur avait donnés. Il y a des fois, vous priez pour que Dieu vous donne une bonne entreprise. Il y a des fois, vous priez pour avoir des bons collaborateurs. Dieu vous les envoie. Mais la voix de l'autel de la colère va attirer votre attention sur une chose, c'est la réalité. Mais ce n'est pas pour ça qu'on vous renvoie le monsieur. Amen. Alléluia. Mais c'est pour l'espérance. Ça, ce n'est pas pour boire, c'est pour l'espérance. Alléluia. La voix là, t'as fait perdre. J'ai vu des femmes demander, papa, je suis fatigué de travailler seul dans ma maison. Étends ta main pour que je puisse me reposer. Donne-moi quelqu'un qui va m'aider. Dieu te donne. Il t'envoie une aide à la maison. Et elle arrive. L'hôtel commence à parler. T'as vu, non? Elle a porté un pain qui était un peu trop ouvert. Elle veut séduire ton mari. Elle veut. Tu dis, oh, au premier jour, tu banalises. Mais c'est un hôtel. Il est persistant et insistant. Donc, chaque petite erreur de la nounou,
ça s'amplifie dans ta tête. Et la fille que Dieu avait envoyée pour te décharger, tu la renvoies toi seul. Je suis arrivé, papa, je suis fatigué. Dieu a dit, mais moi je te décharge. Toi tu te recharges. Je te décharge. Tu te recharges. Tu as fait quoi? Parce que ton esprit s'attarde. Et vous savez, il faut savoir que ce n'est pas. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, c'est vrai. Il y a des informations qui sont vraies. Quelquefois même, il y a des gens qui font mal quelque chose à côté de vous, mais Dieu vous demande de laisser. Parce que ça va se corriger dans le temps. Te dire même une information avérée peut te créer des problèmes. Quand je dis avéré, parce que je n'ai pas entendu le mot vérité. Voilà, te dire la réalité. Adam et Ève étaient nus, ça c'est la réalité. Et Adam n'avait pas honte de ça, il n'avait pas honte de leur nudité. À un moment donné, après avoir mangé le fruit, ils se sont rendus compte qu'ils sont nus, qu'ils étaient nus. Et Dieu, quand Dieu va les chercher, ils vont dire à Dieu, Dieu va dire, où vous êtes? Il dit, nous sommes nus, c'est pourquoi nous nous cachons. Dieu ne va pas leur dire, c'est vrai ou c'est faux. Sinon, ils étaient nus, mais ils n'étaient pas au courant. Donc, Dieu ne va pas leur demander, c'est vrai, qu'est-ce que vous êtes? Il va leur poser la question qu'il leur pose, là comme demande le texte là, de Genèse 3. Là. Dieu leur dit, qui? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, dit, où tu es? Donne-moi le verset. Il va dire, qui vous a dit que vous êtes nu? Ça veut dire, l'information vient de qui? L'Éternel dit, qui t'a appris? Sinon tu es nu, mais je t'avais caché ça. Qui t'a appris? Écoutez, la source, celui qui te parle, qui te donne une information avérée. Quelqu'un peut venir casser ton mariage en te disant, fais attention à la secrétaire de ton mari. C'est vrai que la secrétaire a des vues. Mais si ton âme n'est pas prête à gérer le problème de la secrétaire, Dieu peut ne pas t'informer pour que quand tu pries en langue, lui-même il règle. Mais le fait que tu le saches trop tôt peut t'amener des réactions. Au lieu de permettre à Dieu de sauver ton foyer, toi-même. Le problème n'est pas qu'on veut séduire ton mari ou pas. Le problème est, qui t'a dit? Tu sais, Satan aussi, Dieu ne dit pas, vous n'êtes pas nu. Il dit, qui vous a appris? Qui t'a donné l'information? Sinon, moi-même, j'étais mis nu. Mais qui t'a appris? Donc, qui t'a dit? Vous savez, les élèves qui sont venus me dire, le directeur fait ça. C'était Satan qui était en train de passer par eux. Sinon, le directeur était vraiment bizarre. Mais je n'avais pas besoin d'avoir l'information. Il y a des informations dont vous n'avez pas besoin. Écoutez, si ton enfant vient t'expliquer, la petite a 2 ans, elle dit, maman, comment on fait pour avoir des enfants? Est-ce que la vérité va lui faire du bien? Donc, tu vas là. Voilà. Si ton enfant vient te dire, je sais comment on fait, et puis elle te décrit, tu vas lui dire, qui t'a? Parce que celui qui t'a dit là, vous comprenez non? Le problème n'est pas l'information. Alléluia. Parce que celui qui peut t'expliquer une telle chose à ton âge, c'est que c'est Satan. Parce qu'un homme normal, c'est qu'on ne décrit pas des choses comme ça à des enfants. C'est les exposer. C'est les détruire. Donc, le problème n'est pas souvent l'information. Le problème, il y a des informations pour lesquelles on n'est pas prêt à gérer émotionnellement, physiquement. Et donc, Dieu s'en occupe lui-même. Lui-même. Alléluia! Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'ai vu des gens ont détruit leur famille simplement parce que quelqu'un est venu lui dire, ton mari te trompe. Et puis c'était vrai. Mais la femme par là et la maison est devenue tendue jusqu'à le monsieur est parti. Il a marié la maîtresse. Donc elle est là, non, Dieu va juger. Je dis, l'information à partir de laquelle ton couple est devenu malade ne venait pas de Dieu. Dieu allait sauver ton mari de l'adultère. Mais comprenant ton cœur, il n'allait pas permettre à ce que tu saches ça maintenant. Chaque fois que tu pries, là, il allait partir régler, chasser la fille là de sa vie, sans que toi tu sois au courant. Parce que tu ne peux pas gérer l'information. Et quand tu as pris, Satan t'a informé. Tu as vu, tu es devenu bizarre. Tu as rendu ton foyer invivable.
Sinon, entre elle et toi, là, c'est toi qui l'avais choisi. Mais maintenant, tu es devenu diable. Et pendant ce temps aussi, Satan aussi, qui a donné l'information aussi, il rend la fille là agréable. Si quelqu'un me dit, mon frère, qui t'a dit? Quelqu'un donne un bon amen. Ok, gloire à Dieu. Donc, ce que je suis en train de vouloir vous dire, c'est que les informations que le diable envoie par des hôtels, ce n'est pas la fausseté ou la vérité. C'est pas ça. L'objectif, c'est quelle est l'information qui arrive et à quel moment elle arrive. Et vous discernez en regardant l'état, l'effet que ça a sur votre âme. Si ça vous détruit émotionnellement, ce n'est pas Dieu. Si toute information avérée qui vous fait perdre vos moyens, ce n'est pas Dieu qui vous a parlé. Ne vous concentrez plus à régler le problème. Concentrez-vous à détruire l'hôtel. Parce que son projet, c'est de détruire votre foyer. Son projet n'est pas que vous sachiez la vérité. Son projet, c'est que tu perds ton travail. C'est tout. Donc, si tu continues de te battre sur l'information, au lieu de chercher à voir, mais qui a dit? C'est l'hôtel qui a dit. C'est lui qu'il faut aller attaquer. Parce que son projet, c'est qu'en même temps qu'il t'est séduit, en même temps qu'il est en train d'attaquer ton mari, en même temps qu'il est en train de dire à ton conjoint, laisse-la. Et puis toi, il te dit, il te trompe. Et puis en même temps, il dit à ce moment-là aussi, laisse-la. Toi, les deux voix sont là. Maintenant, toi, tu tombes dans le piège. Non, tu dois te ressaisir, attaquer l'hôtel. Là, ça va s'inverser. Il va laisser la maîtresse. Il va entendre maintenant, laisse la maîtresse. Donne l'amour à ta femme. Tu dois bâtir l'hôtel de Dieu. Parce que l'hôtel qui est en train de te parler, est un hôtel qui est venu attaquer ton couple. Donc, même si l'information est vérifiée, faites très attention. Comment je sais qu'une information est satanique? À cause de ce que ça produit en moi. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la joie. Toute information qui ne te donne pas de la paix, ce n'est pas Dieu. Amen. Alléluia. Toute information qui te donne un gourmet de 4 jours, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne va pas détruire ton âme. Donc l'information là, même si c'était vrai, elle est négative. Si tu t'en prends à elle, tu perds ton temps. Va attaquer l'hôtel. Va attaquer la source. Parce que tu t'apprêtes à perdre quelque chose que tu t'as donné. La chose que tu t'as donnée n'est pas parfaite. La chose que tu t'as donnée a ses défauts. La chose a ses manquements. Mais il faut faire très attention. Dieu va prendre le temps de corriger l'erreur. Mais ne rejette pas ce qui est imparfait, ce qui a des défauts maintenant. De toute façon, il n'y a rien que Dieu commence qui est parfait au départ. Tout commence avec des défauts. Donc, te faire remarquer un défaut, ce n'est rien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Alors, la voix dans la parole de Dieu, l'image de cette voix-là, c'est le peuple qu'on appelle Amalek. Dans la Bible, vous savez, Dieu nous révèle les secrets de la guerre spirituelle avec des illustrations de personnes ou d'entités. Et la voix qui détruit tout ce qui est relation émotionnelle, tout ce qui est sentiment-émotion, elle est illustrée dans la Bible par le mot Amalek, qui était un peuple qui avait pris pour habitude d'attaquer les enfants de Dieu. Et vous allez voir dans la parole, c'est très clair là-dessus. Rappelez-vous, le texte de base sur lequel je donne cet enseignement, c'est celui de Juges chapitre 6. Israël, en Juges chapitre 6, était victime d'un peuple qu'on appelle les Madianites, qui venait enlever toutes les provisions que Dieu leur envoyait. Chaque fois qu'ils avaient à manger, chaque fois qu'ils semaient, Madian montait. Donc Madian, c'est un type de démon ou d'esprit qui vient enlever le bien matériel. Mais la Bible dit que Madian n'arrivait pas seul. Madian montait avec Amalek. Le nom Amalek, là, ça veut dire dépression. Donc Amalek s'attaque aux âmes. Lui, il n'a pas trop à faire à ton argent, à ce qui est apparent. Il s'attaque à tes émotions. Et il venait avec les fils de l'Orient, eux, ils s'attaquent à l'esprit de l'homme. Donc Amalek, Madian prenait la ressource physique. Madian va essayer de s'attaquer à sa maison. Amalek va s'attaquer au bonheur de ton foyer. Madian va te faire perdre l'argent. Amalek va casser ton moral de sorte que tu n'aies même plus la force de recréer la richesse. Amalek s'attaque à l'âme. Madian s'attaque à la partie visible. Mais Amalek s'attaque aux âmes. Donc même quand il vient, il t'enlève un matériel.
Ce qu'il va faire, c'est de créer en toi un effet émotionnel dévastateur. C'est ça le but d'Amalek. Attaquer ton âme à un point pas possible. Et vous le voyez dans la parole de Dieu. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, on les appelle, on dit Amalek, ou les peuples s'appellent les Amalécites. Alors, les Amalécites, dans 1 Samuel chapitre 3, ont attaqué le camp de David. Donne-moi 1 Samuel chapitre 30, 30, c'est 30, 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. À partir du verset 1. Lorsque David arriva le troisième jour à Tisglag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une évasion dans le midi de Tisglag. Ils avaient détruit et brûlé Tisglag. On continue. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Notez, ils n'avaient tué personne. Tout le monde était vivant. Mais ils avaient tout emmené et s'étaient mis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Regarde la suite. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force de pleurer. Ok, si tu es au marché, quelqu'un vient, il vole ton téléphone et puis il fuit, tu fais quoi? Tu cries, tu le poursuis, non? Est-ce que tu t'arrêtes pour faire un deuil? Ça, c'est le propre d'Amalek. Amalek, ce n'est pas la relation qu'il casse, c'est l'effet émotionnel. Donc, il peut te enlever quelqu'un, mais te mettre dans un état dépressif. Le grand David, l'homme qui a déracé Goliath, il a pleuré comme un bébé jusqu'à ce qu'il n'avait plus de force. Ça, c'est le travail d'Amalek. C'est-à-dire, quand Amalek t'attaque, par exemple, il y a un frère, vous avez commencé à cheminer, et puis il te laisse, il s'en va. Si c'est Amalek qui l'a fait partie, l'affaire ne sera pas simple. Toi, dans ta bouche, tu vas dire, oh, un de parti, dis de retrouver. Quand la phrase que tu as dite là, ça c'est la bouche-parole. Le soir, Amalek arrive. Oh, oh, oh. Le goumet là. C'est-à-dire que le frère là-même, là, tu n'étais même pas sûr même. En fait, tu ne l'aimais même pas trop. Mais le fait que vous vous sépariez là, si c'est Amalek qui est derrière votre séparation, il va te... Il arrive et puis il rentre dans ton âme. Tu as vu? Toi-même, personne ne t'aime. Aucune relation n'aboutit. Pourtant, tu ne voulais rien faire avec le frère. Hein? Tu étais là, il est venu te dire, je t'aime un peu. C'était pas clair. Et puis, un matin, tu apprends qu'il s'est marié. Tu dis, ah, Dieu m'a libéré de quelqu'un. Mais si c'était Amalek, non. La nuit, tu as vu? Ton âge est en train de partir. Ah, c'est la voix de l'hôtel maintenant. L'hôtel Amalek. Ton âge, tu prends de l'âge. Il t'a laissé. C'était... Personne ne tient à toi. Et l'angoisse, la tristesse, la tristesse. David a pleuré, pleuré. On vous dit que votre femme, la femme n'est pas morte. Les enfants ne sont pas morts. Poursuivez les gens. Poursuivez-les. Tu es un guerrier. Pourquoi tu pleures en tirant un bébé? Parce que c'était Amalek. C'est la stratégie d'Amalek. Ils ont pleuré, pleuré. La Bible dit jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus de force de pleurer. Elle dit, vous voyez, quand on pleure, quand on était enfant, là, on pleure jusqu'à... Et puis, quand on dit pleure, tu es là. Le grand David qui a tué Goliath. Et souvent, on dit, un homme ne pleure pas. Mais David a pleuré. Et puis, tous ses soldats, ils sont assis. Oh, oui, oui. On dit, les enfants ne sont pas morts. Ce n'est pas grave. Oh, oui. Comme ça. Et à la fin, quand vous continuez, ses soldats ont voulu tuer David. Ça a mis la division parmi eux. Ils ont voulu lapider David. Et David a repris le courage en s'appuyant sur Dieu, sur l'Éternel. Et il a dit, allons les poursuivre. Et il les a poursuivis. Il a délivré sa femme. Il a délivré tout le monde. Mais pourquoi tant d'angoisse? Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est l'effet Amalek. Amalek attaque Israël lorsque Moïse les fait quitter l'Égypte. On est en Exode chapitre 17. C'est là que Moïse devait garder la main levée. Chaque fois qu'il baissait la main, ça veut dire chaque fois qu'il se décourageait, chaque fois qu'il était fatigué, Amalek prenait le dessus. Amalek prenait le dessus. Moïse a gardé les mains levées. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce que Dieu va dire après. Au verset 14, après qu'ils aient gagné Amalek, regarde ce que Dieu dit. Dieu dit,
L'Éternel dit à Moïse, écris dans le... Lisons ensemble. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Je te regarde et je déclare, le Dieu vivant a promis que la source de ta tristesse, de tes angoisses, de tes larmes, le Dieu vivant va effacer cela de ta vie dans le nom de Jésus. Écoute, Dieu n'aime pas Amalek. Dieu lui-même, il déteste Amalek. De tous les ennemis d'Israël, Amalek est l'ennemi que Dieu détestait le plus. Dieu n'aime pas tes larmes, ta tristesse, tes nuits blanches en train de pleurer sur ta vie. Dieu veut que tu t'en sortes. Ce n'est jamais la volonté de Dieu de voir ses enfants dans l'angoisse. Il dit, écris, je veux finir, je dois effacer Amalek de ta vie. On continue, verset d'après. Moïse bâtit un autel. On va apprendre à bâtir les autels contre Amalek. Donc quand tu sens ça, c'est quand on te parle de la guerre, c'est une chose de parler de la guerre, les autels. Donc vous voyez la réaction de Moïse après. Bâtit un autel. Moïse bâtit un autel et lui donna le nom, l'Éternel ma bannière. Amen. Alléluia. Donc ça c'est l'exercice qu'on va faire. Je crois qu'à la prière du mardi matin, on va continuer, on va arriver comment on bâtit l'autel de Dieu. Ok? Mais vous voyez comment il appelle ça l'Éternel ma bannière. Donc c'est un autel qui crie, Dieu est ma protection, Dieu est ma protection. Donc en fait, un autel a une voix. Et la voix, vous devez la placer là-dedans en fonction de ce que la voix de l'autel criait. C'est-à-dire que si l'autel satanique dit quelque chose, ce qu'il dit là, tu dois aller chercher le verset qui dit l'opposé. Et j'arrive là-dessus. Amen. Donc vous ne déplacez pas un autel sans le remplacer. Il faut toujours le remplacer. Amen. Dans le Nouveau Testament, en Christ, il n'y a pas d'objet à les placer. Je veux que vous compreniez juste le principe des voix qui appellent certaines choses dans votre vie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, continue le texte. Continue. Ramène-moi. Il dit, on lit ensemble, 1, 2, 3. Et parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, guerre de l'Éternel contre Amalek, alléluia, acclame la parole du Seigneur. Amen. Je viens te dire de la part de Dieu, je vais dire à une personne, Dieu, tes larmes, ta tristesse, pas toi, il est triste, il ne veut pas que tu sois abattu, il ne veut pas quand tu sois, toute cette colère qui t'envahit, c'est Amalek. Il dit, je ferai la guerre à cette colère qui te prend. Je ferai la guerre à cette tristesse qui t'envahit. Je ferai la guerre de génération en génération. Tu es la génération où cet autel-là va se taire. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Alors tu vas t'élever avec moi et tu vas dire, tu vois, ces émotions-là sont la cause de beaucoup d'échecs, de retours. Ça, c'est les émotions. Ce qu'on est en train de traiter, c'est l'autel, c'est-à-dire la source de la voix qui entraîne cette dépression, cette colère, ce découragement, cet abattement. Est-ce qu'on est ensemble? L'autel, c'est d'où vient la voix. La voix, c'est ce qui arrive et qui crée en toi ces émotions-là. Maintenant, on doit renverser l'autel. Et tu vas déclarer la parole. Tu dis, Seigneur, sur ta parole, tu peux t'appuyer. Tu dis, Jésus, tu as dit qu'il y aura la guerre et que tu vas exterminer Amalek, que les causes de ma tristesse, de toutes ces émotions négatives qui m'envahissent soient renversées pendant ce temps au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et prie de tout ton cœur. Que toutes les sources de tes angoisses, de tes peurs, de tes larmes, de ta tristesse soient renversées dans le nom de Jésus. Rada brada sorobara la sorobara la clarianta rabake. Au nom de Jésus, Père, toi qui as décrété d'effacer le nom d'Amalek, que dans cette génération, dans la vie de cette femme, de ce frère qui entend mon message maintenant, que Amalek, le nom de dépression, de tristesse, soit effacé dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Selon ta parole. Que les sources de colère, les sources de tristesse, les sources d'angoisse, les sources de peur, les sources émotionnelles négatives soient renversées maintenant dans le nom de Jésus.
Rezo katali mahe, robrada glorianta rababrada serebara laba, rakatarianta rababrada serebara la kota, reanda rababrede soromana labe, rebrada bada bara bara la ko, rokatarianta rababrada serebara laba, raide serebara da glorianta rababro, roda brada saramara labe, raide glorianta rababre, robakata rama soromara la kata rababa. Reda clarianta rama brada soro mara la be, rada brada soro mara la que te redebru, roda brada soro mara la clorianta rama brada sara mara la que, roda brada soro mara la clorianta rama bro, roda brada sara mara la clorianta rama be, riba catarina brada soro mara la ba, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Garde les deux mains, je vais prier. Père, Père, je t'invoque. Tu as dit dans ta parole que tu effaceras le nom d'Amalek de dessous les cieux, sur la base de ce que tu dis. Que les sources de larmes, de tristesse, de colère, de frustration, d'abattement, de découragement, que toutes les sources qui attaquent, qui attristent, qui détruisent l'âme de ta fille, de ton fils, soient ravagées, renversées maintenant dans le nom de Jésus. Père, sur la base de ce que tu as dit, je déclare sur la vie de tous ceux qui entendent le son de ma voix maintenant que, qu'ils sont délivrés. Je renverse dans le nom de Jésus cet autel d'Amalek, cet autel de tristesse, cet autel de colère, cet autel d'abattement, de peur, de dépression, d'angoisse. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne resteras pas. Cette femme et cet homme qui entend ce message maintenant, tu es toi choisi par Dieu, celui de la génération qui va mettre fin à la tristesse, fin aux larmes créées par Amalek. Dans le nom de Jésus de Nazareth, merci Père parce qu'il en est ainsi. Au nom de Jésus, amen. Acclame Jésus. Alléluia. On peut se rasseoir. Amen. Alors là, je ne vais pas donner le verset, mais peut-être le mardi matin, la prière, je le fais. Amen. Alors généralement, un hôtel, pourquoi j'ai mis la prière à 4 ou 5 heures? Parce que dans la guerre spirituelle, les hôtels s'attaquent le matin, avant le lever du jour. Ok? Donc, c'est pourquoi on aura 2 jours de jeûne, mardi, mercredi, mais on se retrouve le matin. Parce que là, vous voyez, là, je suis plus dans l'enseignement, on n'est pas vraiment dans la prière. Un hôtel, il faut l'attaquer. Il faut vraiment l'attaquer. Donc, je suis plus dans l'enseignement. Amen. Même s'il y a des précisions que je donnerai dès mardi, mais on va prier. J'ai compris, vraiment, procéder, faire des délivrances, voilà. Donc tout ce qui est hôtel de célibat, c'est-à-dire la voix qui crie contre toi de sorte que, mais voilà, ça, aucune relation ne va quelque part, les gens même ne te remarquent même pas, on ne voit même pas même que tu es là. Et puis même quand ça commence, mais en fait, toi-même tu laisses passer quoi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient tout détruire. Que Dieu, dans sa grâce, t'en délivre totalement dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Mais je veux te faire comprendre que la guerre contre Amalek n'est pas facile. C'est une vraie guerre qu'il faut maintenir. Quand Moïse se bat contre Amalek, Dieu lui donne une stratégie. Garde les mains levées. Donc, il est resté dans une posture jusqu'à ce qu'Amalek soit vaincu. Et à la fin de cela, à l'issue de cela, il a bâti un hôtel. Mais ce sont des leçons. Celui à qui Dieu avait confié la victoire définitive contre Amalek, c'était Saül. Pourquoi Saül a été déchu de la royauté au profit de David? C'est à cause d'une guerre contre Amalek. À un moment donné, donc, Dieu vient dire à Saül, j'avais dit par mon serviteur Moïse, donc des siècles sont écoulés. Entre Moïse et Saül, il y a des siècles. Vous avez Moïse, vous avez Josué, vous avez toute la période des juges, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive au premier roi d'Israël qui est Saül. Alors, Dieu dit, bon Saül, c'est avec toi que je vais régler cette histoire d'Amalek une bonne fois pour toutes. Et comme Saül était déjà quelqu'un de charnel, donc il part en guerre contre Amalek et Dieu lui dit, tu extermines tout, tu ne laisses rien. Et quand il part, Saül fait un tri. Il laisse vivants les beaux moutons, les belles pièces de bœufs, il laisse vivants et il garde le roi. Le roi s'appelle Agag. Il le garde vivant. Ok? Mais Saül, le peuple épanière Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. C'est quand il a fait ça, Dieu est venu lui dire, je déchire ton royaume, tu ne seras plus roi pour moi. Parce que Dieu tenait à ce que la guerre finisse. Et ça va nous aider dans la prière. Vous voyez,
qu'est-ce qu'il a fait? Il a épargné les bons côtés de Amalek. Comme c'est une variation émotionnelle, donc Amalek a des côtés de joie aussi. Mais ce n'est pas la vraie joie. C'est la joie qui précède la dépression. Ouais, pour que tu déprimes bien, il faut qu'on te donne beaucoup de joie. Pour que le gourmet, oui c'est ça, pour que le gourmet soit gourmestique, gourmet, dangereux. C'est-à-dire, il faut que tu sois trop fin même de la... C'est-à-dire, tu l'aimes et puis on vient et puis on dit, voilà, Amalek dit, c'est bien maintenant. Et puis, coupe. Là, tu as très mal. Et puis, il dit, c'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le meilleur côté. C'est ce qu'on appelle les bêtes grasses. C'est ce qu'on appelle le côté avantageux. Donc, Saül, il a tué le négatif et il a gardé ce qu'il ne fallait pas. Et Dieu dit, ce que tu viens de faire, c'est une grave erreur. Parce que qu'est-ce qui s'est produit après? Le nom Amalek va disparaître, mais Agag va rester. Donc, Agag va engendrer un nouveau peuple. Agag, c'était le roi. Et vous savez comment s'appelle le premier ministre de Perse qui a voulu exécuter tous les juifs? Aman l'Agagite. Ce n'était pas la Malice, c'était un descendant de Agag. C'est-à-dire que celui du temps d'Esther, pour lequel Dieu a suscité Esther, qui a fait signer au roi le décret de faire tuer tous les juifs dans l'Empire. C'était un descendant d'Amalek, c'était un Amalécite. Mais maintenant, on les appelait les Agagites. Parce que, ayant entendu que presque toute leur descendance avait été exterminée, mais il restait Agag. Donc, Agag a donné le nom, mais c'est la même chose. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, c'est quelque chose qui se sent en guerre contre la vie chrétienne. C'est quelque chose qui se sent en guerre contre la foi. C'est quelque chose, quand vous combattez, vous devez achever son autel. Vous ne devez pas vous dire, bon, de temps en temps, mon copain, on a eu de bons moments. Il faut laisser ces bons moments-là. Ta joie est la joie du Seigneur. Ce n'est pas la joie, les fausses joies que l'autel satanique t'envoie. Ce sont des joies mensongères qui précèdent la tristesse. La paix qu'il te donne n'est pas la paix de Dieu. Ce sont des paix mensongères qui précèdent la confusion et le trouble. Mais cette fois-ci, tu ne vas pas te laisser vaincre. L'autel est renversé dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen, 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 amen. Alors, donc, voilà un peu comment fonctionne cette voie. Comme tous les autels d'appauvrissement, il y a des étapes pour arriver à en finir avec un autel. La première chose, comme on l'avait traité la dernière fois, c'est de recevoir l'onction. Chaque fois que vous allez faire la prière, priez pour l'onction. Cet esprit, recouvre ta fille, recouvre ton fils. Lève les mains, reçois l'onction. Que le manteau du Saint-Esprit, pendant que je parle, vienne sur toi. Que la puissance du Saint-Esprit te recouvre. Que la puissance du Saint-Esprit te recouvre. Que la puissance du Saint-Esprit te recouvre. Que la puissance du Saint-Esprit vienne sur toi. À ce qu'on a traité dimanche dernier, l'équipement spirituel. Demandez l'onction. Demande l'onction. Élève la voix. Dis Seigneur, donne-moi ta force pour venir à bout. Papa, tu connais mon cœur. Je n'ai pas le courage. Je n'ai pas la force. Mais équipe-moi. L'équipement de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qu'on appelle le Consolateur. C'est lui qui te guérit des effets d'Amalek. C'est le Saint-Esprit qui te relève. C'est le Saint-Esprit qui te donne la force. C'est le Saint-Esprit qui te donne le courage. Et le Saint-Esprit te donne la puissance pour terrasser ce démon. Pour terrasser et renverser cet autel. Au nom de Jésus de Nazareth, que l'onction de Dieu te recouvre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Au samedi des miracles, on a fait encore l'onction d'huile. Donc mardi matin, on va utiliser l'onction d'huile. Alléluia. Amen. Alors, à l'époque que j'avais traité ça, j'avais parlé de ce qu'on appelle l'onction royale. Parce que la manière dont on traite Amalek, c'est tu es un roi quoi. Voilà. C'est-à-dire que tu dois prendre des règles et des mesures. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alors, après avoir reçu l'onction, ça c'est mon message du dimanche dernier, tout autel se traite comme ça. On dit comme si sur appauvrissement émotionnel, mais les mêmes règles s'appliquent. 1, cet esprit, ou un moi. 2, je dois remplacer l'autel. Alors, amen. On se prépare mentalement, mais pour pouvoir remplacer, il faut localiser l'autel. Il faut le localiser. Localiser l'autel, c'est ce que Dieu dit à Gédéon. Il dit à Gédéon, retourne dans la maison de ton père. Donc, ce qui appelait les Amalécites du temps du juge Gédéon, c'était un autel dans la maison de son père.
Donc dans le livre de Juges 6, Dieu dit à l'homme de Dieu, si tu veux vaincre Madian et puis tous ses amis là, retourne dans la maison de ton père, arrache l'autel de Baal et puis le pieu sacré. Note bien le terme pieu sacré. On va expliquer pourquoi c'est marqué. Amen. Renverse le. Comment dirais-je? Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Ok? Et puis après, il va lui dire, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel Dieu. Amen. Donc, mardi, mercredi, on va faire ce travail-là. Il faut arracher l'autel de Satan, mais il faut bâtir l'autel de Dieu. Et je vous ai déjà donné un signe, comment bâtir. C'est pas un hôtel, on peut bâtir plusieurs dans la vie, mais on ne le fait pas au hasard. Comme Pierre était irrésolu, Jésus lui a donné une voix. Donc quand on l'appelle Pierre, c'est une voix qui vient faire taire son côté irrésolu. Ok? Donc n'allez pas chercher des canaris ou des bois, allez déposer dans vos maisons, laissez ça. Amen. Je vais vous expliquer les trois manières, comment on bâtit l'hôtel de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Ok. Donc, pour localiser un hôtel, tu dois savoir à peu près ce qu'il dit. Donc, que le Saint-Esprit t'aide à ce qu'il dit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit? Donc, tu reconnais ce qu'il dit par qu'est-ce qui t'énerve le plus souvent? Si les émotions qu'il engendre, c'est de la grande tristesse, qu'est-ce que tu entends qui te rend triste? Qu'est-ce qui te rend triste? Si les émotions que Amalek envoie, c'est la peur, tu as peur de quoi? Tu as peur pourquoi? Pourquoi tu as tout le temps peur? Si les émotions qu'il envoie, c'est de la colère, qu'est-ce qui t'énerve tout le temps? Pourquoi tu t'énerves? Parce que la colère fait que tu jettes ce que Dieu te donne. La tristesse fait que tu perds ce que Dieu te donne. Donc, quand tu vas combattre un hôtel, ce n'est pas simplement, je prie, je taillade. Non. Il faut retourner dans la maison de ton père. La maison de ton père, c'est l'origine du mal. L'origine, là où l'hôtel est positionné. C'est là-bas qu'il émet. Il faut aller chercher l'émetteur de ta peur. L'émetteur de la colère. L'émetteur de ta tristesse. Ok? Alors, comment on retourne dans la maison de son père? Supposons que tu es marié et que tu te bats, c'est en train de toucher ton foyer. Mais la colère qui te fatigue avec ton mari ou avec ta femme, est-ce qu'elle remonte à elle? Parce que tu peux te tromper en disant, c'est parce que mon mari est compliqué, c'est parce que ma femme est compliquée. Mais calme-toi. Est-ce que avant ton mariage, tu ne t'énervais pas autant sur d'autres sujets? Donc, ce n'est pas cette colère ou cette tristesse n'a pas commencé avec lui. Elle va plus loin. Donc, tu ne restes pas en train de résoudre les problèmes du couple actuellement. Okay? La manière dont tu n'as pas voulu, le frère est venu te voir et dit vraiment, et puis un coup il t'a énervé. Rentre dans ton histoire. Parce que quand il s'est marié, ça t'a fait mal. Oh, toi-même tu disais non. Okay. Donc, tu te dis, mais est-ce que c'est la première fois que ça m'arrive? Et c'est à partir de quand j'ai commencé à rejeter ce qui était à moi. Il y a beaucoup de gens qui ne se décident pas, qui ne saisissent pas ce que Dieu leur donne, parce qu'Amalek leur donne un manque de confiance totale en eux. Moi, c'était mon problème. Moi, Amalek, il me faisait deux choses. L'orgueil, deux, manque de confiance. Il me donnait une forme de timidité et de manque d'assurance. Donc, quand je veux saisir quelque chose, je ne suis pas sûr. C'est ça, c'est pas ça, c'est ça, c'est pas ça. Donc quand il me donnait maman Lily comme ça, là, c'est elle, c'est pas elle, elle est truc. Il dit, voilà ta femme. Je dis, attention, vois, il y a déjà, tu as tellement peur de mal faire. C'est comme si tu cherches que le monsieur ou bien la femme soit tellement parfaite qu'à la fin, tu ne choisis jamais rien parce que les gens ne sont pas parfaits à l'image de ce que tu es en train de vouloir. Mais pourquoi? Il y a une voix qui t'amène toujours à chercher la personne parfaite. Qui n'existe même pas. Tout le monde s'améliore. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, tu vas avec le Saint-Esprit, vous allez aller doucement dans la maison de papa. C'est quoi la maison de papa? Tu vas te rendre compte que la plupart des voix d'Amalek remontent à tes origines
dans la maison de ton père. Ce n'est pas forcément que ton père a fait quelque chose, mais ça remonte à tes origines. Ça remonte à quelque chose qui s'est passé généralement dans ton enfance. Généralement dans ton enfance, il y a eu quelque chose. Il y a eu un événement qui t'a blessé, qui t'a brisé et qui s'est posé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et j'ai vu, je suis tombé sur beaucoup de cas qui ne se souvenaient même pas. J'ai beaucoup de mes filles qui n'arrivent pas à aimer les gens. Ça dit, ils ne t'aiment pas longtemps. Ils t'aiment un peu, puis après, ils t'aiment. On dit, mais continue, ils disent, je ne l'aime plus. En fait, il y a quelque chose. Alors, dans le cas de beaucoup de souffrances émotionnelles, il faut savoir, c'est très souvent un des premiers crimes que j'ai remarqué où l'autel a été bâti, c'est les abus de l'enfance, les abus sexuels. Surtout, je parlais aux femmes, hein, je parle aux femmes. Là, suis-moi très bien. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Très souvent, la manière dont, si tu as perdu ta virginité, vous savez que la virginité est liée au sang. Et dans les hôtels, le sang joue beaucoup. Dieu dit dans le livre des Hébreux que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Qui est Abel? C'est l'innocence. C'est le gars pur qu'on a violenté, qu'on a tué. Je ne sais pas si vous voulez me saisir. C'est-à-dire que Abel, c'est Dieu l'a créé, c'est les deux premiers. Et puis, on l'a violé. Et la Bible dit, et Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux. Donc, un sang parle. Toi, je parle à mes filles. Comment tu as perdu ta pureté? On te l'a volé? On t'a tué? Ou tu as donné? Et comment ça s'est passé? Quel est l'effet? Vous voyez, Abel est tellement mort injustement que son sang a commencé à parler. Son sang parlait. Maintenant, Dieu vient faire miséricorde. Il dit, le sang de Jésus parle mieux que le sang de Abel. Le sang de Jésus parle mieux. C'est la raison pour laquelle quand on se bat contre les autels, c'est vraiment une affaire de voix. Un autel est une voix. Et c'est pourquoi j'utilise le sang cette fois-ci, parce que l'âme est dans le sang. L'âme est dans le sang. Alors, on ne blesse pas simplement parce qu'on t'a violé ou on t'a violenté, mais on peut te trahir. Une haute trahison, c'est une attaque à l'âme. Ce que je croyais de papa ou de maman, ils ont cassé ça. Il y avait des gens qui ont été traumatisés par les âmes, par les hommes. Le jour de la vie, la violence avec laquelle papa a frappé maman ou maman a frappé papa. Vous pouvez accepter, il y a des moments qui traumatisent. J'ai vu des enfants qui ont été choqués. C'est-à-dire, ils sont là le matin, ils se réveillent, ils voient maman en train de tromper papa dans la maison. L'enfant n'a rien dit, mais ce jour-là, un hôtel a été bâti. Une voix qui dit, ne t'attache pas à une femme. Ne t'attache pas à une femme. Elles ne sont pas honnêtes. Elles ne sont jamais sérieuses. Elles ne sont pas sérieuses. Donc depuis, l'enfant avait 2 ans. Maman l'a amené. Maman dit, reste ici. Je suis un tonton. Ouais, un tonton. Ce n'est pas un tonton. Et ce jour-là, c'est comme s'il y a une voix qui est venue te rendre infidèle. Les femmes ne sont pas sérieuses. Il faut les blesser avant qu'elles te blessent. C'est-à-dire donc, quelle que soit la femme que tu aimes, tes émotions vont vouloir t'amener ailleurs. Retourne dans la maison de ton père. Il dit à Gédéon, va dans la maison de ton père. Alors, ce qui explique une réaction émotionnelle bizarre a toujours un point de départ, mais d'une violence qu'on appelle le sang de Abel. C'est-à-dire dans ton innocence là, on a tué Abel, on a tué ta pureté, on a tué ton honnêteté, on a tué le rêve que tu voyais de la vie. Ce jour-là, il a été trahi, il a été brisé, il a été cassé. Et tu as dit essayer de te consoler avec ta force d'enfant.
Mais ça n'a pas marché. Et ça te rattrape. C'est ce jour-là, l'hôtel de Baal est arrivé. Donc, c'est vers où il faut partir. C'est là-bas qu'on va renverser. Ce n'est pas simplement de prier. L'hôtel peut mettre à 50 km. Toi, tu es là-bas, puis tu cries. Dans le nom de Jésus, je tais la voix de Baal. Non, j'arrête. Non, il faut repartir à l'hôtel. Il faut aller chercher l'émetteur. Et c'est un émetteur qui vient de loin. Tu le retrouves, tu l'attrapes au nom de Jésus, tu le renverses. Et puis tu bâtis l'hôtel qui, dans ton histoire, va donner une autre voie. Et tu vas voir que ça va avoir un effet sur ton futur, sur ton présent, sur ta vie tout le temps. Et tu vas finir avec Amalek en renversant son hôtel. Amen. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit... Tiens-toi debout, mets la main sur la tête. Saint-Esprit. Souvent, les habits ont été oubliés. Il y a des années de cela, j'avais une de mes filles qui est arrivée. Et sa réaction, l'Esprit Saint me dit, son papa l'a violée. Il dit, son papa a abusé d'elle. Je parle avec elle. Elle... Il y a très longtemps. Donc, je voyais elle et sa soeur, deux hommes qui venaient à l'église. Elles étaient étranges. De très belles femmes, mais elles ne se mariaient pas. De très belles femmes. Quand les frères voient, les frères même les apprécient. Mais Marie, elles n'ont pas son mari. Et je me suis approché pour savoir, mais ça veut dire que elles sont bizarres. C'est-à-dire que ça avance. C'est-à-dire que le mari, même le fiancé, là, il se retrouve en instabilité. Elle change d'humeur. Un matin, il arrive, la voix, elle est joyeuse, elle lui donne tout l'amour. Le lendemain, elle devient diable. C'est-à-dire, le gars d'Assène, il dit, papa, un matin, il a laissé la fille. Il dit, mais pourquoi tu la laisses? Frère, c'est qu'il a vu, là. Il dit, on ne peut pas se marier avec une femme aussi inconstante. Et comme ça, elle chassait les hommes dans sa vie, sans s'en rendre compte. Une fille très affable, très douce, très aimable, très serviable dans la maison de Dieu. Mais quand une fois que tu rentrais en amour avec elle, quelque chose réapparaissait. Et ça, aucun frère de l'église ne voyait jusqu'à ce qu'il a approché à proximité pour se rendre compte de sa blessure intérieure. Mais les gens fuyaient. Mais les gens n'ont pas le temps d'aller chez l'hôtel de Baal. Le gars, il veut se marier. C'est lui qui va aller chez Baal pour toi. Donc, tu vois. Alléluia. Amen. Donc, si tu n'as pas un fiancé qui a la force d'aller avec toi chercher l'hôtel de Baal, vous allez renverser ensemble. Ma soeur, toi-même, il faut aller chercher l'hôtel. Tu vas aller renverser. Là, tu as tes maris, on va avancer. Ben, si tu veux, tu dis, oh, si je pouvais avoir un frère qui pouvait venir m'aider dans la prière. Il y a des fois, tu n'as pas de frère comme ça qui vient t'aider dans la prière pour aller. Toi-même, il faut prier. Il faut avoir l'onction. Toi-même, va dans la maison de ton papa là-bas. Toi-même, il faut renverser l'hôtel de Baal. Bâtir l'hôtel de Dieu. Puis tu vas avancer. Amen. Mais quand j'ai commencé à parler avec elle, pour comprendre pourquoi les frères, elles n'arrivaient à bâtir aucun fiançailles durable, je parle avec elle. L'esprit me dit, elle était abusée. Je dis, ma fille, est-ce que tu étais? Elle dit, non. Mais si la santé sincère, elle dit non, elle ne s'en souvient pas. Elle dit non. Elle me dit, on lui a mis un esprit d'oubli. Est-ce qu'il est là? Elle dit, tu vas renverser l'autel de Baal et le pieu sacré. Il dit à Gédéon, renverse l'autel de Baal et le pieu sacré qui est dessus. C'est-à-dire, il y avait l'autel, mais l'autel était couvert par un secret, par une chose sacrée. Par quelque chose, il y a quelque chose qui cachait l'hôtel. Souvent, les hôtels sont cachés. Ça veut dire que ça y est, la maîtrise pas trop. Hein? Il dit dans la même nuit, il dit, renverse l'hôtel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Ce côté sacré, sacrilège, ce côté-là, quelque chose qui est passé là-dessus. Pour Anado, ça c'est comme un esprit d'oubli, c'est comme un blackout. Mais Dieu est avec toi. Dieu, le Dieu que j'invoque et je prie, celui qui m'a dit de te parler de ce message, et vivant pour te faire sortir de là. Fils, tu vas t'en sortir. Dans la vie, tu vas réussir. Ma fille, tu vas vaincre cette affaire. La main du Seigneur est sur toi. Ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ton intelligence. L'Esprit du Seigneur vient sur toi. L'onction de Dieu est sur toi. Tu iras dans la maison de ton histoire. Tu iras dans tes origines. Pas avec ta force, mais avec celle qui vient de Dieu. Pour renverser l'autel de Baal et le pieu sacré qui est là-dessus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Que la puissance de Dieu vienne sur toi. Que cet autel d'attaque émotionnelle soit renversé pour toujours. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Et que Dieu t'accorde la sagesse de bâtir l'autel de Dieu.
Merci Père pour les guérisons. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci parce que toi tu te lèves pour combattre Amalek dans nos vies. Tu connais tes enfants, tu connais les frères, tu connais les soeurs, tu connais tes fils et tes filles. Tu nous connais, tu connais l'histoire de chacun d'entre nous. Nous pouvons l'avoir oublié. Le pieu sacré fait que peut-être nous avons sous-estimé, nous avons banalisé, nous croyons avoir oublié. Mais tu sais les dégâts que l'autel de Baal, l'autel Amalek continue de faire. Père, entends ma prière. Je prie pour ceux qui sont ici comme ceux qui sont loin. Merci pour ton bras puissant qui vient délivrer nos âmes, qui vient délivrer nos cœurs et qui vient bâtir l'autel de la victoire, l'autel du triomphe, l'autel qui vient de toi. À toi l'honneur, la gloire, la louange au siècle des siècles. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur. Amen.